Alors, c'est parti. J'ai lancé le direct. Vous êtes où? Maman, hier. J'ai fait le direct, ils ont signalé. Maman. Me voici assise ici. Ils ont signalé mon direct hier. Maman, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, envoyez les étoiles. Voilà aussi ça. Vous n'envoyez pas les étoiles, vous n'envoyez pas les cœurs. C'est normal qu'on signale. Donc, je suis connectée là, bim, je finis le direct, ça part. Parce qu'ils sont assis sur ça pour signaler. Ils ont fait un groupe de signalement parce qu'ils veulent nous enlever sur la toile. Les filles, essaye d'appeler Livna, elle m'appelle. S'il te plaît. Ça va me couper ici, là. S'il te plaît, maman. Vous signalez au... Vous signalez, vous n'êtes pas d'accord. C'est vous qui voulez prendre la toile d'assaut. C'est vous qui dites que vous êtes les saintes. Maintenant, on vient démontrer mathématiquement votre mauvais cœur. Vous venez nous signaler pourquoi. Pourquoi vous avez signalé mon direct hier? C'est quoi? Vous voulez seulement que je dois rester ici, là, comme ça, là, que même si vous parlez n'importe quoi, mais tais et j'accepte par rapport à quoi? Vous allez me museler sur mes tas. Vous allez fermer ma bouche. Donc, quand vous parlez, je me tais. Par rapport à quoi? Pourquoi je dois me taire? J'ai peur de vous que vous allez me faire quoi? Soyez sport. Moi, je suis sport. Je ne signale pas vos directs. La plupart d'entre vous, vous êtes bloqués. Donc, je ne vois même pas. Mais quand vous avez vu hier que j'ai fait le direct, qu'il y a eu 400 personnes qui m'ont dit que celle-là aussi a 400 signalements. C'est comme ça que vous êtes. C'est-à-dire que dès que quelqu'un commence à faire le direct, je n'étais même pas en train de déchirer quelque chose. J'étais calmement calme. J'étais seulement en train de décrypter vos choses. Je glaçais les stamps bracata dans le frigo. Le frigo qui vous donne les insomnies. Le frigo qui vous fait, vous ne dormez plus. Jansan Napepe, c'est dans quelle team qu'elle sort? Jansan Napepe, bonjour, tu fais quoi ici? Tu t'es seulement perdu. Tu es de Ngoyi ou tu es de Ngospet? Tu es dans la bande à Ngoyi ou la bande à Ngospet? Tu es dans quelle bande ou la bande à Rose des Crottes? Tu es de quelle bande, maman? Je pose la question pour savoir. Parce que vous, ici, sur Meta, vous pensez que vous allez venir salir ce qui est propre comme les nous, là. Et nous, on va vous laisser. On va se taire. Dès qu'on ouvre la bouche, signalement, partagez la vidéo, envoyez les étoiles. Ça fait en sorte que même Zuckerberg confirme que le contenu, si les gens qui suivent ça veulent suivre. Franchement, Jansan Napepe, c'est une piment lélé de Fokoué. Elle vient de la team de Fokoué, Jansan Napepe. Tu fais quoi ici? Il faut suivre derrière la fenêtre. Vous entrez pour quoi? Vous entrez pour mieux signaler, c'est ça. Hein? Vous ne pouvez pas signaler de dehors. Vous n'avez pas honte. Comme Tachou Michide, Jansan Napepe là, c'est une mouche. Hein? Coucou la reine, monsieur, avec toi aujourd'hui, demain, après demain, Ngoye Ngongavon, sauf que mourir, bande de gris. Maman, j'ai dit que je suis dépassée. Je fais le direct. Oh. Ils ont vu que yé, la fille si. Tu es de quel team? Alors quand on demande, tu ne réponds pas comment? Tu es de Ngoye ou tu es de Ngospit? Réponds, Jansan Napepe, je ne connais pas vos noms. Je vais leur donner l'ordre de sortir dans les faux profils et de venir en vrai. On a peur de qui ici sur Meta en fait? Ils vont faire quoi à qui? Si on connaît même que c'est toi, Jansan, que tu es debout, que ton nez est comme ma passe, si tu as une grosse tête comme moi, le long menton, ça fait quoi? Ça fait quoi à qui? Que tu vas jeter ta tête par rapport à quoi? Par rapport à qui aux gens de Facebook? Ils n'ont qu'à caricaturer tout ce qu'ils veulent. Ils mettent là où ils veulent. Tu t'en fous, Jansan à pépé. Sortez des faux profils, venez en vrai. C'est tout. Quand on veut se parler, on se parle. Coucou mon bébé Zadi, comment tu vas? Ça, c'est une de mes fans du Canada. Moi, j'ai des fans en vrai. C'est pas les pépés. C'est pas les pépés. D'accord? Je dis que Jansan Napepe, c'est une abeille, c'est une teka chienne, c'est que teka que, teka que, teka que, teka brr. Mouche, hein? C'est une quoi? C'est une pédé chien, pédé que, pédé que, pédé latin d'autre, pédé quoi? Jansan Napepe, positionne-toi, signale-toi, tu es de où? Tu es dans quel team? Ou tu es dans les lionceaux? Tu es où? Je ne crois pas que tu es le Lomamia. Jansan Napepe, ne te connais pas bien comme ça. Voilà. Venez écouter derrière la fenêtre, signaler. Tu ris quoi? Tu ris quoi ici? Tu es de où? Réponds. Si tu es honnête, tes patrons vont même te chasser s'ils savent que tu es venu ici. Voyez comment vous vivez sur Facebook dans la peur. Pourquoi un être humain du haut de l'âge que vous allez, vous avez voulu vivre dans la peur? J'ai fait le direct ici hier pour répondre calmement à madame, comment on appelle, la mangeuse de crotte de nez Ngoyi qui est venue mentir dans son direct. Comme quoi, je monte les coups et j'organise pour qu'on la détruise. Vous avez signalé le direct que ça a disparu. Pourquoi vous faites ça? Vous venez attaquer les gens, vous n'êtes pas prêts de supporter. Pourquoi? Vous voulez que je recommence? Parce que moi, je suis la radio.
Dans mon métier, je parle, je reparle, je peux recommencer la même chose. Elle est amie avec un Boumadanger. Ah, Jansan a perpétué la personne de Boumadanger. Ah, d'accord. Donc, tu as peur que Boumadanger va te ramasser. Ça fait quoi? Même Boumadanger, est-ce qu'il est wanted? Les guillemets ont fait pire. Et on a fait quoi avec? Ça allait où? Celui-là qui est le gars qui a peur des requins, là. Celui qui c'est la viande des requins. Lui-même, pareil. Il a fait. On a fait quoi avec? Ça nous a amené où? Sortez de vos trous à rats. Présentez-vous. Présentez votre signace. Assumez vos scènes. Assumez vos têtes. Oui, vos noix de coco, assumez vos mentons, vos lèvres, vos bouches. Oui, c'est comme ça. Ma faute de Lélé, je te salue, ma faute de Lélé. Comment tu vas? Sortez derrière tout ça. Venez en vrai. On a peur de qui? Ils vont faire quoi à qui? Je suis la preuve vivante que leur machin ne bouge même pas. Alors, fille, mon âme ne bouge. Toute une âme. C'est fini. Nul et non advenu. Hé, maman, vous avez peur de qui? J'ai fait le direct. Je suis en train de recadrer, de donner la vérité sur Magina Kinkam et toute sa chute. Vous venez me signaler jusqu'à ce que mon direct disparaisse. Vous êtes normal. Vous êtes normal. Hein? N'importe quoi. Jansan a pépé mes yamos, les mouches, mes maisons. Non, j'ai mis leur patron au sol. Voilà, c'est Nivakin qui va nous couronner l'affaire. Les mouches, je vais vous donner un conseil. Arrêtez de faire que Nivakin sorte de ses gants. Nivanus. Arrêtez de faire que Nivanus sorte de ses gars. Je salue la personne qui tague toujours Fashion Police ici là. Parce que Fashion Police met le poste de mon repas, ma table d'hôte que j'ai dressée. Oui, beaucoup de gens ont besoin de ça. Le monde a contacté que la mère, je vais à Montréal le 10, le 15, je ne sais même pas si je vais faire. Oui, c'est un peu ça. Voilà, parce que ça prend aussi un montant et beaucoup de temps. Il faut organiser le temps. Voilà. Donc, Jansan na pépé. Ok. Tu viens te perdre ici, pourquoi? Les mouches, pourquoi vous réveillez Nivakin? Pourquoi vous ne pouvez pas laisser que Nivakin laisse que Toby finisse avec Ngoï? Vous voulez encore que Nivakin? Parce que si Nivakin, si Nivanus monte sur Ngoï, nous on va avoir un chantier qui va être long, longtemps. Et tout ça, c'est bon à moi. Mais sauf que vous êtes tellement, tellement bête et sot que la personne que vous ne devez pas amener, ce que vous ne devez pas amener sur Ngoï, c'est Nivanus. Parce que Nivanus, quand ça passe, c'est les bilans. Et lui, quand il va s'asseoir sur Ngoï, il va s'asseoir. Parce qu'il a femme à Mini Minon, là. Il va faire ça mal mauvais. Je dis bien, mal mauvais. Pourquoi je me connecte? J'ai les maigres vues. Je ne suis pas suivi. Vous venez me signaler. Pourquoi? Vous signalez mon direct, ça disparaît. Pourquoi? La vérité blesse, le sang ne coule pas. Je me suis assise. J'ai pris 3 heures de temps de mon temps pour venir m'asseoir, expliquer. Vous êtes parti signaler. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous me cherchez. Je viens. Pourquoi vous fuyez? Il ne faut pas pleurer. On est ici là qu'on a créé. Chacun a créé son mental. Le mindset de chacun. Parce que le mental est fondamental. Là où je suis assise là, mon mental est prêt. Vous comprenez, non? Je dis bien, mon mental est prêt. Je dis que Toby Chou, alias Tobias, Nivanus, qui était ton, tu l'appelais comment là? Il a dit qu'il n'est jamais ton fils. Sa mère ne s'appelle pas Flore. D'accord? La lionne qui dit encore que maman, lionne est encore en train de caresser. Et ils vont te traiter. Les mouches, vous allez assister au déluge, à la vraie fin de votre patronne. Parce que quand je vous avais dit chute libre, il y a 4 ans, vous n'avez pas cru. Vous avez cru que j'étais en train d'inventer. Vous avez cru que, oh non, non, machin, et tout. J'ai dit que Nivakin va sortir un tour. Pardon les coupeurs de vidéos. Arrêtez de m'appeler. Vous dites, Nivakin a dit que moi, je vais commencer à me fâcher. Surtout ma crème des crèmes là. C'est-à-dire que, au lieu de m'appeler Nivakin, a dit, vous coupez. Je veux les minutes. Je veux que vous me preniez 3 blocs de 4 minutes. C'est tout ce que je veux. Mais intense. Quand tu vois que c'est intense, tu rois, tu coupes. Quand tu entres même pour voir, coupe en regardant. C'est aussi simple. Là, quand tu finis, tu te demandes, je vois ce qu'il va envoyer à la mère. Là. Parce que quand Nivakin va s'asseoir sur Magina, après, ils vont tout faire pour qu'il demande pardon. On connaît comment ça marche. Et quand il va demander pardon, nous, on va seulement avoir la vidéo pour relayer l'information. Vous comprenez, non? Je dis bien, je vous mets en garde de Nivakin. Ça, là, c'est un ordre. Ma crotte de nez, toi qui es devenu, quand t'a dit hier que tu as bien fait de quitter, tu es quitté vraiment, c'est juste que tu étais là, comme le magouya là. Dis aux mouches, puis le cote Nivakin. Notre chou, mais comme Nivakin, c'est interdit. Puis le cote Nivakin. Donc dis aux mouches de faire attention à Nivakin. Parce que c'est Nivakin qui risque de mettre tout au sol. Pardon. Portez les pagnes du mari, à vous partez à la messe prier comme il vous a recommandé. Mais laissez-le là-bas où il est assis. Parce que l'enfant là, pour lui, sort un genre. Les gens comme les nous, comme ça, c'était dans le aide-moi à détester qui récite, qui nous a insultés, ils ne nous connaissaient pas. Je dis que
C'est dans le air de moi. Elle détestait que Nivakine m'a insulté. Nivakine ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Donc, toi, ça ne sera pas le air de moi à détester. Il y a trop les dessous. Et Nivakine, c'est quelqu'un qui assume son orientation. Comparé à toi, Magina. Je dis bien, comparé à toi. Ode Lucky, ou c'est Lucky, Lucky, c'est Ode quoi là. Vous qui aimez vous promener avec les faux profils là. Je vous dis qu'il y a des choses qui vaut mieux. Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je parle comme ça, il y a les mouches, il y a même les gens qui sont perspicaces dans la team là, qui aiment beaucoup la team. Celle qui est aux États-Unis là, la Magni là, tu viens d'entrer, tu ne veux pas prononcer ton nom. Maintenant, Chang Nivakin, Chang Nivakin a calmé, vous voulez. Bah, vous voulez toujours, c'est-à-dire que quand on va lever ça, ça va venir gros comme ça, bon, maé, nous on va s'asseoir sur ça. Et on va, c'est-à-dire que, hein, on va chop. Quand votre patron elle s'agite, elle est là, garde mort, garde malade, autant pour moi. Le malade n'est pas mort, mais elle siffle sur Facebook, elle pleure le deuil. Le malade n'est pas encore mort, elle est garde malade. Mais le malade n'est pas mort, elle a pleuré le deuil ici sur Facebook, magie verte. Je dis bien, les gens de la team, là, celle qui est à Toronto, celle qui aime payer l'argent, la payeuse d'argent, parlez à Nivanus, c'est votre Nivanus. Il a dit qu'il n'a pas les points avec toutes les mouches. D'accord? Donc les abeilles perspicaces qui risquent encore leur tête. Mais calmez Nivakine. Nous, on a fait le grand travail. Les fesses de votre patron sont déjà à l'air. Nous, on a tout fait savoir au monde entier. Qui est Flor Magina Kinkam? La parasite de Meta. Donc, vous, les quelques gens qui êtes encore raisonnés et sensés, puis maintenant, encore maintenant, Kassoyabre, Jouabre Bamila, moi, quoi dedans? Moi, je vais seulement saouler. Hein? Moi, je saoule. Dès qu'on dépose, je saoule. Moi, quoi dedans? Moi, rien. Alors, on va faire l'entrée. Comme vous êtes déjà là, le nombre. Hier, on était nombreux. Ça les a choqués. Ils ont supprimé. On va rester le nombre qu'on est là. Envoyez les étoiles. Parce que quand ils suppriment et que Zuckerberg voit les étoiles, ça fait qu'ils n'enlèvent pas le direct. D'accord? Donc, envoyez beaucoup, beaucoup d'étoiles. On va commencer avec l'entrée en matière. On a le ralenti. Attendez, j'approche la vidéo. Je peux. On va écouter ça même deux fois. C'est notre, comment on appelle? Ah, il y a slogan. Tous les directs à bouillir. Dans le frigo de la gloire glorieuse. Bonne dame a dit que je suis mariée avec le frigo. Je dors à côté du frigo. Je dors que la maman. Le matin, je me suis levé, t'es ici. Même maintenant, je suis tout là. Mon lit est là. Quand je vais dormir, j'ouvre dans le frigo, j'ancre. Magina est classée par là. Gospute là. C'est pour me dire que quand tu es en direct, on regarde tous les petits bobos. Ses dents sont jaunes. Mm-hmm. Son nez est penché. C'est ça qu'on prend pour aller partager. Mm-hmm. Mais pour partager, ce qui va te pupposer. Pupposer. Pause. Ce qui va te pupposer. Pupposer. Ce qui va te pupposer. Dans Francie. Ah bon, petit bout, tu m'as révolution, bon. Elle descend tout droit de la révolution bancale. Et là où elle est là, elle était dans le volet descente des Bamileke. Révolution bancale, descente des Bamileke. Pour poser. On disait souvent que c'est les Bami qui parlent le mauvais français. Ouais, Seigneur. Pastora, non, on ne partage pas ça. Voilà. Ok, on recommence. Vous voyez bien, non? En torrent, c'est là qu'il y en a en public, c'est ma faute. Pupossé, merci Zavijou, pupossé. Voilà. Elle même fait encore sa bouche comme ça pour le temps de la digestion. Regardez. Comment? Elle me wanda sur ce qu'elle a fait. Ouais, Seigneur, regarde sa bouche. Tous les restes de trucs qu'elle a chop sont là. Moi-même, que je chope le calabas, c'est pas comme ça. J'essaie de nettoyer. C'est pour venir que quand tu es en direct, on regarde tous les petits bobos. Ses dents sont jaunes. Son nez est penché. Envoyez les étoiles, les cœurs et tout ça. Mais pour partager, ce qui va te pupposer, même pour la diaspora, pour valoriser la diaspora, non, on ne partage pas ça. Voir le genre de spécimen qui atterrit
comme par concours de circonstances dans la diaspora pour proposer la diaspora. Tu anticipes la diaspora. Bah, Bozaïos, Italie, commencer d'abord. C'était au Tchad ou bien dans quel pays là qu'on m'a dit qu'elle a commencé, ou c'était en Zambie ou en Gambie. Les gens qui ont fait du chemin, ils ont fait l'Enganda en route, ils ont tout fait avant d'arriver en Bénin. Elle se lève, elle décide que elle va porter son dévolu sur moi. C'est moi qui a sali son commerce avec les crottes de nez. Pourtant, c'est Bachien, la vidéo au début, là, c'est chez Bachien que j'ai copié ça, et Ngospit, qui se sont assis avec toutes les técachions sur sa nourriture. D'accord? Alors, les crottes de nez, qui sont le menjanga d'indolé. Oui, j'ai mangé ma part au salon, oh, jusqu'à j'ai à digérer, c'est parti que Bomaï. Madame s'assoit sur Facebook, quand Goï vient du palais, dit que je dors avec le frigo, c'est dans le frigo. Ma chérie, la terre se mélange, tu n'achètes pas ce frigo. Je te mets un défi. Je dis la terre se mélange, là où on est assis ici, là, tu n'achètes pas ça. Tu achètes, je mets ma part dehors pour donner à quelqu'un. Est-ce que tu comprends bien? Les gens qui ont traversé les villes, ils ont commencé, hier on a dit qu'elle était dans quel pays, c'est le Tchad, ou c'est où elle est passée, Tadjikistan, vous avez vendu l'eau glacée au désert, c'est les urines du chameau, vous avez bu, tout vous avez fait au désert. Vous êtes venu, vous êtes entré par l'Italie, ce n'était pas facile. Maintenant, le côté de français que tu m'écris, mais après un moment, quand ça te dépasse, tu dis que c'est Google qui écrivait. Donc tu pensais seulement Google écrivait, mais c'est toi qui étant qui fait la révolution pour libérer le Cameroun. Voilà les qualités des gens. Pour pousser, on veut me pour pousser, voilà le français. Que vous prenez, vous les gens des révolutions, recrutez, faites un test de français ou vous faites un espèce d'examen avant que les gens arrivent pour être dans le militantisme propre de votre affaire. Sinon, soyez des marcheurs errants, comme les autres qui ont fait le rang pour aller marcher, ils marchent seulement. Au lieu de venir vous mettre à la tête des révolutions, insulter les villages, insulter tout et venir faire le tribalisme pour nous pondre une connerie comme ça sur Meta. Ma chérie, je vais te glacer dans le frigo. Quand bon me semble. Lui, on vend l'eau glacée au désert. C'est elle qui vendait glacée l'eau dans son coin tout. Oui. J'ai dit qu'on vend l'eau au glacée au désert. Elle prend le crédit, elle achète le frigo, elle met où? Dans la maison, entre, assois-toi. J'ai dit que la maison, entre, assois-toi. Hein? Ngrenga et Bacho n'ont pas enlevé les vidéos. Partage ça pour moi. Partage. Ngrenga a enlevé la vidéo. C'est Bacho qui n'a pas enlevé jusqu'à aujourd'hui. Bachien n'a pas, j'ai partagé pour Bachien, c'est encore là. C'est elle qui est malheureuse. Après, elle dit oui, tu es quittée. Oui, je suis quittée. Et tout. Oui. Pardon, la mère raconte la Genèse. Ah oui, tu veux la Genèse, je recommence. Parce que quand tu es quelqu'un qui est là pour conscientiser, parler aux gens, tu peux réexpliquer. Cette dame fait un direct. Le direct, comme vous voyez au début, là, ici, là. Ce direct, c'était le jour de ce direct, un mois de mars, mi-mars. Pardon, excusez-moi, je fais du rond. Mi-mars. En mi-mars, cette dame fait un direct. OK? Et franchement, aussi vrai qu'un Dieu qui existe. Je ne me lève pas, je la prends par rapport aux crottes. Je prends mon passage chez elle. Même quand je suis passée chez Rêve, l'autre jour, je dis mon passage chez Rêve. Quand j'ai le temps, je le coupe, je le mets. Surtout quand j'ai aimé comment j'ai parlé. Je trouve cette dame en direct. Je croyais que son mari s'appelait Monsieur Ndike. Je croyais que c'était un Bamileke Banganté. Elle est en train de dire, je vous dis que je suis tribal, fichez-moi local. Moi, je ne connais pas la révolution. Je n'étais pas la révolution bancale qu'elle était. D'accord? C'est le groupe des bancales. Ils sont sortis là que sur un pied. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, mais ils étaient en train de disappear. On les a même raboués seulement dans la révolution qu'ils sont partis. Ma chérie, elle fait le direct. Jean, je dis que c'est quoi? Elle dit qu'on m'accuse de tribalisme. L'autre a dit qu'on m'insulte un gossa. Là, elle est pour sa soeur, gosse pute. Moi, je dis que, ouais, maman Yako, ma chérie, est-ce qu'on peut dire ça? Dis donc, tu es ma belle-sœur, tu es la femme de mon frère, parce que j'ai entendu Ndike, je croyais qu'il y a que l'Ndike à Banganté. Il paraît même que c'est un Tchankounia. Bref. Je dis ça et je sors parce que j'étais occupée, je sais pas, mon téléphone. Voilà, mon téléphone s'est déchargé. Je reviens encore dans le direct, j'appelle toujours dans le noir, parce qu'on voit là, vous la voyez là, j'étais en bas. J'étais en bas, comme mon nom était en bas, comme ça. Donc, je reviens appeler dans le noir, le même direct. Ouais, maman, je suis sortie, je suis revenue, mon téléphone s'est déchargé. On disait que quoi là, je continue encore à parler. Tout ce que j'ai parlé jusqu'à dire au revoir, je coupe la partie. Donc, quand j'entre, bonjour, elle met bio. Donc, elle tourne son nez, elle met dans la bouche, elle casse ça de côté comme ça, comme on casse le calabar. Je ne vois pas parce que j'entre dans le noir, je pose. Parce que moi, je suis souvent que je suis dans la cuisine de la gloire glorieuse, je rentre. Si j'entre dans un direct, je pose là. Je peux parler sans regarder qu'est-ce que l'interlocuteur fait. Si tu peux te regarder comme ça, je te parle. Moi, je parle directement.
quand je sais qu'on entend ma voix et je donne mon point de vue sur ce qui se passe. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs en masse, s'il vous plaît. Sortez, taguez vos amis pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent partager. Que Zuckerberg lui-même dit que, ouais, pourquoi je vais même supprimer ce direct. Mettez même les étoiles pour ceux qui ont les moyens, s'il vous plaît. Parce que c'est grave. Ils insultent, ils provoquent, ils font tout. Quand on vient les répondre, ils signalent. Je ne comprends pas. Moi, je ne signale pas ces gens-là. Moi, je m'en fous. Vous pouvez faire même 1000 directs sur moi. Ça ne me dérange. Je suis devenu sport, gringo. C'est là que j'entre dans le direct et je coupe ma partie, je poste. La dame se rend compte que j'ai posté. Elle ne m'appelle pas. Elle a mon téléphone. Elle était capable de m'appeler, mais elle fait son grand chevaux. Sa cause, sa juju, lui, le conseille de ne pas m'appeler. Parce qu'elle a causé avec sa juju. Sa juju a dit que, oh, machin, ceci. Sauf que, quelqu'un va lui informer que, ou c'est qu'on est dans un forum et on a parlé dans le forum et Lolo a dit que, oh, les crottes de nez ont fait que j'ai dit que, ah, c'est leur problème de discussion, de quoi, de machin, que j'ai demandé que, ou c'est que Lolo a dit que j'enlève, j'ai dit que je n'enlève pas, elle est tribaliste. Oh, moi, j'entre pour défendre. Dans ce direct, je disais que non, tu es ma belle, on raconte les histoires, ils sont jaloux de toi. Tu n'es pas tribaliste. OK? Maintenant, cette chopeuse de crottes de nez, voit cette situation, elle vient dans le partage que j'ai fait, l'écrit en commentaire, comme quoi mes niennes sont propres, donc mes narines sont propres. Elle répond à la personne, parce que les gens ont commencé à commenter, vous comprenez, non? Elle répond à la personne qui a commenté que mes niennes sont propres, d'accord? Attends un peu. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. Quelqu'un m'envoie l'invitation, je sais pas si c'est pour de vrai là. Elle répond à la personne que ses niennes sont propres. Moi, je réponds, je dis à Lolo même qu'elle a reconnu que ses narines, donc elle assume. Parce qu'il y a des gens qui posent des actions, ils assument. Lolo m'a même dit, elle vend la nourriture, elle dit que, ah, elle vend la nourriture, mais elle-même est venue commenter. Sinon, normalement, non, elle-même devait m'appeler. Elle a mon téléphone. J'ai encore son téléphone, si je me trompe. Il faut que je la bloque sur WhatsApp, cette petite tembèche. Elle va voir que je n'ai pas besoin d'elle jusqu'à la terre se mélange. On a un rendez-vous sur terre, maman. Tu parles à qui? Une femme qui a digéré tes crottes de nez? Imbécile. D'accord? Moi, vous donnez une jume, moi, dis. Moi, même comme elle est là. Madame Nensian Tatana, tu Tatana me dit, moi, on est dans un forum, un groupe. Et là-bas, le loi a dit que ceci. Et j'ai dit qu'elle est méchante, elle est tribaliste, avec eux. Et que je suis méchante. Tatana a dit que non, je connais la reine Mébio, je connais sa moralité. Il faut qu'on l'appelle. OK? Il faut qu'on l'appelle et on lui dise d'enlever. Elle a dit que non, non. Que la pluie a versé. Donc, je suis méchante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle est tribaliste. Ok, il ne s'agissait pas de ça. Tu aurais dû juste m'appeler, petite peste. Je suis ouverte. Je cause avec tous et je... Elle a fini. Ok. Ok. Pardon, prends mon porte-monnaie. Regarde dans mon sac, mais je crois que c'est dans mon en bas. Je veux le lait. Je veux deux sacs de lait... Oui, maman, s'il te plaît. Deux sacs de lait lactose free. J'ai horreur quand le lait finit. Je vais congeler l'autre. Oui, non. Chez Métro ou bien chez je ne sais qui. Oui, j'ai horreur quand le lait finit. J'aime quand l'enfant, là, comme elle n'aime pas trop manger, qu'elle mange, ne serait-ce que les céréales. Donc, oui, je suis non, je suis Satan éternel. Maintenant, madame va raconter ça. Quand Tatana apprend ça, elle connaît ma moralité. Tatana, heureusement, merci Tatana. Tatana m'appelle. Elle dit que pardon, elle veut profiter pour vous dire, vous savez que moi, je n'aime pas. J'ai dit à la fille que je t'appelle, elle a refusé. Donc, dans tout ça, même quand Lolo lui a dit, la personne lui a fait le rapport de Lolo, et quand elle a causé Tatana, elle a dit à Tatana que Tatana ne m'appelle pas, que je suis méchante. Donc, quand même, imagine là, une rumeur en train de partir. On est soi-disant ensemble. Je ne sais même pas où j'étais avec elle. Parce que je n'étais pas avec elle quelque part. Hein. Elle n'est pas dans une team. Comme Goé lui a dit hier que c'est bien, tu as quitté la fête. Oui, elle était nulle part. Elle était nulle part. D'accord?
Elle dit à Tata Na que je suis méchante. Je dis, mais attends. Et puis j'ai dit à Tata Na, maman, comment elle trouve me dire que je suis méchante? Elle va alors supprimer. Mais elle avait commenté, hein, Tata Na. Pendant que je parlais à Tata Na, j'ai dit, Tata Na, sur son mur, la vidéo encore là. Et puis Tata Na, chez Ngospute et chez Bacho, c'est encore là. Encore Ngospute et Bacho étaient encore ses ennemis, le moment là. Donc moi, j'ai enlevé sur ma page. J'ai dit, pardon, je ne vais pas les prendre. Comme elle dit, ah, que je suis méchante, comme ça, quelqu'un reste les problèmes, elle l'a trouvé. J'ai supprimé. Mais dans mon supprimage que j'ai supprimé là, Ngospute avant encore, elle-même avant encore l'original. Je suis restée tranquille. Comme Dieu fait les choses, je ne sais pas qui a envoyé Tata Na. Peut-être Tata Na pouvait rester tranquille. Un matin, elle se lève et elle vient directement sur moi. Mais comme Tata Na m'a donné la vente, le lendemain, aux 48 heures, madame s'est assise sur moi. Mais la vessie, tu dis, qui? C'est quoi? Oui, c'est méchant. Tu as mis, les gens ont commencé à lui dire que la reine mère Dieu ne t'a pas insulté. La reine Dieu a mis son passage chez toi. Et elle ne s'est même pas rendue compte que j'avais supprimé. Donc, elle a décidé. Vous savez que dans la vie, c'est-à-dire que le moins cher. Madame a jaugé, elle a vu que prendre Bachot, il est gros, il va la caricaturer tout le temps, ça va partir, sauter. Prendre Ngospute, elle a l'armée, il était caché. Prendre Reine Mère Dieu, elle n'a pas de team. Elle là, elle va être légère, elle va la soulever, elle va faire ça, une bouchée. Comme je casse les crottes de nez. Tu vois un peu, non? Ça peut être d'eau. Oui. Tu vas remplir l'eau. Non, je vais revenir. Où? Au Maxi. Ah, ça se rend au Maxi, hein? Ouais. Tu as la carte? Très bien. Tu as le truc. Ah, ok. Mm-hmm, d'accord. Ok, maman. Tu peux me jouer 649 et l'automax avec extra, oui, extra de chaque. Oui, avec ma carte. S'il te plaît, ça me donne la chance. Je joue toujours l'auto parce qu'on ne sait jamais. Voilà. J'ai dit alors que c'est comme ça que vieille chouette décide de me clasher. Même à ça. Quand elle sort sur moi, moi aussi je sors et je démontre. Parce que vous savez que l'école est bien. Oui, à Bro. Donc, je démontre mathématiquement. Ok? Ce n'est pas moi. C'est encore sur le mur de la conseillère. Donc, on me veut quoi? Effectivement, dans le téléphone qu'on s'est parlé avec Atana, Coco était. Coco a dit que, je n'ai jamais vu, c'est où même. Donc, ça a réveillé les polémiques. C'est elle-même qui a rendu son affaire populaire. Je ne vous mens pas. C'est elle-même, c'est-à-dire que quoi? Elle dit que c'est moi que j'ai posté en premier. Ok, j'ai posté en premier, je n'ai pas fait la publicité de la crotte de nez. J'ai dit mon passage chez Rêve, comme j'ai dit mon passage chez Rêve. Si vous partez sur mon mur, vous allez voir que mon passage chez Rêve est là. J'avais même copié 4 petites vidéos parce que pendant que je copiais, je faisais d'autres choses, ça se coupait, je revenais, tout ça. J'ai posté peut-être 2 des 4 et j'ai même laissé le reste. C'est comme ça qu'elle fait souvent quand j'ai le temps. Donc mon passage chez Rose, j'ai posté. Maman! Elle s'est assise, elle a grossi, elle a mis sur moi. Comme je connais justifier la justification, je suis venue justifier, j'ai demandé qu'elle est aussi vrai qu'un Dieu qui existe. Si c'est moi, qui a, parce qu'on avait pris sa nourriture collée avec les crottes de nez, fait la pub, comme Gossel, elle prend Gossel, a posté, se moquer, Bachien a pris. Elle dit ce qu'ils ont pris sur mon mur. Sur mon mur, il y a mon logo. S'ils prenaient sur mon mur, il y a mon logo. Donc, pendant que moi j'ai pris, les employés de Ngospute ont aussi pris pour elle, puisque pour Ngospute n'a pas mon logo. Donc, tu me dis quoi? Qu'ils ont enlevé mon logo? Parce que Ngossa n'a même pas mis la même partie que Bachien. Donc, chacun Ngossa qui ne connaît pas copier les vidéos. Mais quelqu'un de la team de Ngossa a quand même copié et donné à Ngossa. D'accord? Madame s'est assise sur moi. Le lendemain ou le soir, je ne sais pas, partout chaud. Et je ne sais plus qui téléphoner, quoi. Elle me dit que pardon. La juge était là-bas, elle mettait la robe majeure, le pilon. Parce qu'elle m'a dit dans son direct, il y a peut-être 2 jours, que la juge va monter sur moi. Maman juge, mais l'aime bibou. En venant, viens seulement, sois prête. Maman avait lentement, sûrement et bien. Je n'étais pas provoquée. D'accord, Juju? Tu viens pour soutenir ta copine, viens. Parce que beaucoup de gens ont soutenu Magina quand elle voulait me foutre la merde et m'envoyer en enfer. Je n'ai pas répondu. Toi, je ne sais pas si elle veut répondre ou pas. Mais viens, Juju. Je suis là. Parce qu'elle a dit que la Juju, tu vas sentir, tu l'as prononcé. C'est qui? C'est l'asticot de quel cabinet? Ne parlait pas dans le direct avec nous. Le jour que tu parlais avec moi pour faire la paix, Juju n'était pas dans le direct sur ton mur. J'ai peur de c'est l'asticot de quel cabinet? Elle va faire quoi à qui? Elle va faire quoi qu'on n'a pas encore vu? Madame Bette, comme tu as mesuré, tu as vu que les TK chiens sont nombreux, Bachiens sont mûrs, on va te laver. D'abord, ta vidéo chez Bachien avait à 30, combien de 1000 de vues. Moi-même, chez moi, il n'y avait même pas 3000. C'est pour te dire, moi, je ne suis pas la grande star de Meta aux vues. Hein. Moi, c'est la crème, l'élite, les gens sélects. D'accord? Je ne suis pas celle qui... Juju, c'est celle qu'on dit qu'elle est incroyablement mariée. Elle s'est mariée à la télé incroyablement. Parce que c'est tous les mariages.
Moi, je suis terriblement mariée. Elle est incroyablement mariée. Non, ma grande nouvelle, le mariage qui s'est passé à la télé, ma père était au Cameroun, maman, il n'y avait pas la télé. Elle s'est passée à la télé, soit elle a séparé jusqu'à ce qu'elle est. Bon, Maë, moi, tu as entendu ça que quand elle a commencé, on m'a dit que c'est celle-là que machin a commencé. En tout cas, elle a voyé, elle est même vue à Paris, à la soirée de où je suis partie d'être panocitaire. Moi, elle est sérieuse, elle ne savait même pas qu'elle était incroyablement séparée. Moi, elle ne savait pas. Moi, je crois qu'elle est comme moi, parce que moi, je suis terriblement mariée, mais la Starmania, mon mari, n'est pas trop dans ça. Le peut même être en Montréal, soit à la Starmania, mon mari dort. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Le mariage, ça dépend comment vous définissez vos choses. D'accord? Donc, c'est quand ça a commencé, comme ça a commencé, comme on a dit que l'incroyable, même le monsieur, l'incroyablement marié, lui, il est parti. Je ne savais même pas. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Et c'est moi, hein, ils sont tous sur moi. C'est-à-dire que vos choses se passent un genre, vous venez vouloir mettre sur moi. On n'a pas les mêmes vies. On n'a pas bâti sur les mêmes matières. Moi, j'ai bâti sur du solide, du durable. Et je continue à travailler aux solutions des problèmes de mon couple. J'ai aussi entendu une chose dans toutes ces vociférations qui se font un peu partout sur ma personne, ma modeste et noble personne. Oui, je suis une femme digne et noble, terriblement mariée, j'ai fait, on a vu. Dans tous les sens du terme, j'ai fait, on a vu. Ça ne chauffe pas. Je dis bien, ça ne chauffe pas. J'ai fait, on a vu. Je ne me vante pas. Ça dit que quand tu viens sur moi, sois prêt. Parce qu'elle me lève. Je me lève une fois. Je n'ai pas de petits mots. On ne me téléphone pas. Je ne suis pas comme les trompeuses de Côte Bénin qui disent que j'étais là-bas, je suis quittée ici, je ne me voyage pas, je ne me balade pas. Elle a dit que je suis ténèbre. Depuis que vous me donnez les ténèbres, vous me dites que je suis sympathisante de Lolo. J'aime Lolo parce que Lolo me respecte, je la respecte. C'est une petite soeur qui me respecte. J'aime son affaire. That's it, that's all. Ça ne veut pas dire que je suis Lolomania ou russe ou ténèbre. Mais s'il y a une injustice sur Lolo, je me prononce. Ce qui est sûr, c'est ça. Comme l'a fait des cordes, qu'un goïs s'est encore levé sur ça, je me prononce. Elle a dit qu'autant pas passer, je me prononcerai. Ça ne chauffe pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous n'allez pas m'empêcher d'être sur les réseaux. Goïs voulait me tuer, m'assassiner, me faire disparaître. Ils ont mis la feuille de route qu'il faut. Mais j'ai réussi à renverser tout. Parce que avant de faire tout, demander à Dieu s'il est d'accord. S'il est d'accord, vous allez le faire. Mais je pense qu'il n'est pas d'accord pour beaucoup de vos choses. C'est pour ça qu'on voit le côté. On voit là où... Ça veut dire que comment la peur change de camp très vite. L'armée cinglée est en peur. L'armée cinglée est partout. L'armée cinglée est dans tous les directs. Je dis tous les directs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je salue Lolo Gloria. Je dis bien partagez la vidéo. D'accord? Donc, je dis bien. On voit comment vous êtes en train de vous enfuir par cette chemin. Vous êtes en train de vous enfuir par cette chemin. C'est chaud sur vous. Vos patronnes, les grandes patronnes, que quand on dit que toile camerounaise avait dit que c'était elle, elles sont dans tous les directs du noir possible. C'est des ténébreuses de la ténébrie. Il n'y a pas plus ténèbre que ces deux vieilles chouettes. Elles cherchent encore le chemin, elle cherche un issue, elle cherche une stabilité pour leur vie. Gosse, plus qu'elle est partie au village de sa mère pour chercher un homme blanc qui est propriétaire, comme elle le dit si bien. Je dis bien propriétaire, comme elle le dit si bien. D'accord? Je dis d'accord. Elle est partie chercher un blanc pour voir si tous sont des. Quand tu dis à 52 ans que quelqu'un est propriétaire, toi-même, tu es quoi? Ton cursus, tout ton travail, l'enfant que tu as de 5 ans que tu amènes à la maternelle, là, tu vas lui dire que tu as travaillé quoi du haut de ton 52 ans. Ça, ce sont les questions à se poser. Grosse pute que tu es. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Des mendiants pour la vie. Les gens travaillent pour améliorer leurs conditions de vie. Vous travaillez à demeurer mendiante. Et vous venez me parler une propriétaire. Propriétaire au Canada. Mais attends, parce que je ne me vante pas. Si je commence à me vanter, s'il vous plaît, on va pas sortir de l'auberge. Hein. Ça va aller très, très vite. Donc, organisez-vous quand vous venez sur moi. Je sais que vous me signalez. Je sais que le direct sera attaqué. Je sais que même mon compte, vous allez vous battre pour faire que je ne sois même plus sur Facebook. Je vais créer un nouveau compte. Vous allez voir la vitesse à laquelle les gens vont encore s'abonner. Donc, organisez-vous. Mettez la machine en marche. Mais je vous ai dit, Bilokot Nivakin. Nivakin est en train de venir en France. Nivakin est en train de crier.
vous n'entendez pas. Ni Vakine en train de parler, vous n'entendez pas. Vous faites comme si on vous voit toujours, vous n'entendez pas. Il parle même de aide-moi à détester. Qu'il a fait d'antan parce que Nivanus, tu t'es levé pour aider Magina à me détester. Je ne te connaissais pas. J'ai rien eu. C'est-à-dire, c'était juste parce que je la supporte. C'est la patronne de la congrégation de Jaël Lélé. Tu es seulement entier sur moi comme ça pour de bon. Tu m'insultes jusqu'à un jour. Tu as dit que ne crois même pas que si tu me vois, je peux te parler. Je ne peux jamais te parler. Je t'amène au papa. Jaël de 10 sauts de plus. Je l'amène où? C'est seulement la façon que tu vas t'asseoir sur Ngoï, ça craint. Je demande au mouche que, ouais, calmez le nien, calmez un peu pour que ça se calme. J'espère qu'ils vont me comprendre. J'espère qu'elles vont me comprendre, tant pour moi. Donc, les mouches, calmez Nivanus. Vous gagnerez à le calmer. Parce que ce que j'entends, ce qui se passe depuis déjà quelques jours, depuis quelques temps, venant de lui est nauséabond. Nauséabond, c'est dégueulasse. Ça va être très très grave. Je n'ai même pas envie qu'on en arrive là. Pourquoi? Parce que nous on a déjà fait le gros boulot. Ce que Nivanus a dit sur Magina, c'est ce que nous avons déjà dit. Manipulatrice, détruit les choses. Il a présenté son mari. Magina était parmi les gens qui ont gâté son mari. Il vous a dit que vous avez porté le pain du mari et prié avec à l'église. Personne ne voulait même pas manger, même l'œil du poulet, même l'arachide grillée de son mariage, il n'y aura pas. Il a dit ça parce qu'il a vu votre mauvais cœur sur ces choses. Magina l'a fait sur des gens qui n'ont été même rien pour elle. Je suis présente devant vous. Oui. Elle dort. Si elle pouvait faire des prières, des jeûnes, des incantations pour que je sois éradiquée de la surface de la terre, elle l'aurait fait. Les gens pensent que c'est le game. À mon niveau, ce n'est pas le game. Ce qui me concerne, Magina ne game pas. Peut-être elle game avec les autres. D'accord. Je dis bien, d'accord. Je vous dépasse aller et retour final. Ordre des abscisses, ordre des ordonnées. On va citer quoi? On va laisser quoi? Prenons, allons-y les filles. Pas à pas. Femme, debout, tel itam. J'ai dit debout, tel itam. Sans chirurgie. Debout, tel itam, sans chirurgie. Naturel et économiquement belle, je le suis. Ok? Je dis debout, sans chirurgie. Naturel. Économiquement belle, je le suis. Intelligente, éloquente, avec le charisme qui va avec, je l'ai. Vous parlez du français, je trouve que mon français est bas de gamme, mais à votre niveau, je vous bats. Vous parlez de quoi d'autre? Stabilité financière, on va dans ça? Je ne suis pas une mendiante, je vous chicote. Vous allez parler de quoi? Stabilité familiale, on va dans ça. J'ai deux adorables loups, vous n'en avez pas mis au monde. Gosse putain, boy. On va parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Les études, vous avez arrêté l'école au coup moins d'eux. Vous allez parler de quoi? La cuisine, l'autre voyage, 5 km, 10 km pour acheter les tripes de 2 euros. Pendant que moi, je dresse des tables d'hôtes. Oui, c'est connu et su. Pas tous, même ici à Montréal. Et je ne chauffe pas la nourriture. Je cuisine. Vous allez parler de quoi? Le mari, terriblement marié. Mairie, église d'hôtes. Je dis bien, jusqu'à nos jours, même pas un problème de 10 minutes de séparation. Vous allez parler de quoi? Le travail, professionnellement assise. Et s'il vous plaît, retournez encore à l'université à 50 ans. Vous allez le faire? Faites d'abord la sixième. Secondaire 1, on appelle ici. Vous allez parler de quoi? J'ai oublié quoi? La maison, vous êtes des femmes dans des HLM. Vous faites des crémaillères des HLM. D'autres sont dans les attentes d'HLM. Vous êtes sur des listes d'attente d'HLM dans des villages perdus de France. D'accord? Mais moi, je suis dans ma maison. Vous allez parler de quoi? Les papiers, je suis canadienne depuis 2003. Une se pavane avec un passeport sur le sein qu'elle a eu par un clochard de l'île. Et voilà, on connaît la suite. C'est pour faire le tour du monde, pour faire le salam, salam, salam abiala. Vous allez parler de quoi? De quoi? Le physique, je m'assume, ma tignasse, congolais, vos cheveux ou pas. Je m'aime tel que je suis, cerné ou pas. D'accord?
Et je demande aux femmes d'être pareilles que moi, de s'aimer et de s'assumer. De ne pas regarder au quand dira-t-on. Celle-ci, la chompeuse de cloque de l'indique, que quand on voit ta tête comme ça, on prend mes sur Facebook. Tu as déjà subi un lynchage chompeuse de cloque de nez? Je ne pense pas. Ma chérie, je suis celle qui est caricaturée dans tous les réseaux. Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. À LinkedIn, on m'a créé la page. Nathalie Babal et que je suis une prostituée, je suis je ne sais pas quoi. Vous allez parler de quoi? De quoi? De... Même au niveau de l'humanitaire. Oui, oui. Qu'on parle même de l'événementiel humanitaire. J'en ai fait, on a vu. Oui, oui. C'est pas les pépettes que tu as pris, les choses lorsque tu as donné à la prison. Tu cherches, tu voles les matelas. J'en ai fait, on a vu. D'ailleurs, je vais au Cameroun dans quelques semaines. Je vais encore voir Dieu et la manne qui tombe du ciel. Je vais encore faire deux ou trois actions. Oui. Vous allez parler de quoi? Les amis, mes amis sont des amis de cœur. Les gens qui sont dans ma vie sont toujours dans ma vie. Si je décide qu'une personne quitte de ma vie, il y a des bonnes raisons. Mais ce n'est pas vous qui allez commander ça. Vous allez parler de quoi? Ma famille, oh, la chouchou de sa famille, c'est moi. Aimée de son père. D'accord? Fille chérie de papa. Renseignez-vous partout, on va vous dire. Oh, vous allez parler de quoi? La belle famille, oh là là, mon beau-père chéri successeur, c'est comme suite honnête. Ma suite membre qui est partie, dans quelques temps, ça fait un an. Attendez, vous êtes malade. Ils savent ce qui se passe sur Facebook. Ils savent ce que vous avez décidé de faire de moi. Et ils ont ri. Mais je te dis, je vous dis royalement. Vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de quoi? Mes enfants savent qu'il y a une bande de ratés qui ont croisé le chemin de maman. Une bande de prostituées, de filles de joie qui ont croisé le chemin de maman dans l'exercice de ses fonctions. Ils ont décidé de détruire maman avec nous tous avec. Donc ils savent que demain, quand ils vont voir leurs images quelque part, ils vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mes enfants sont déjà avertis. Vous avez parlé de quoi? Le réseau, maigre vue, je suis suivi par la crème de Facebook. L'élite, jusqu'à la présidence. Renseignez-vous. Ce n'est pas les choses qu'on parle. D'accord? Vous allez me parler de quoi? J'ai oublié quoi là? Dites-moi un peu. Vous allez parler de quoi? Les études, j'ai 30 sur 30 à l'université. Tant qu'on me donne un travail, je fais, j'ai 30 sur 30. L'autre jour, je jubilais sur une autre ici. Vous voulez aussi que je vous présente ça? Parce que vous êtes toujours en train de dessiner. Tu as préparé, ce n'est pas toi qui as préparé. Tu as fait ceci, ce n'est pas toi. Pensez que je suis au niveau de venir vous prouver sur Facebook ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Vous êtes une bande de rien-ton. Je vous dis de sortir de vos profils et venir en vrai. On va faire ça propre. J'ai le feu vert. Je vais vous traiter. Vous allez parler de quoi? Hein? Vous allez parler de quoi à qui? Hein? Et que vous regardez. Si ce n'est pas comme la souris avait mangé, je prends l'eau là-bas que j'ai même l'eau au frigo. Si bon, vous allez parler de quoi? Si ce n'est pas comme la souris avait mangé l'œil du cafard, on sort d'où ensemble? On sort d'où ensemble? Donc, Rose, je reviens à toi. Petite mangeuse de crotte de nez. Tu as allé chercher les photo du restaurant de Diolo, soi-disant que c'est mes décorations. Ma chérie, vous t'agouverne. Diolo m'a commandé le ndolé. J'arrive au restaurant de Diolo, je commande le ndolé, le poisson, à manger à table. Je fais le direct, tu vois comment il présente. Il ne change pas sa présentation, ce n'était pas par rapport à moi. Diolo aurait accepté mes présentations, tu aurais vu autre chose. D'accord, petite peste, c'est pour m'insulter? C'est pour montrer que je ne connais pas? Oh, ceux qui me connaissent savent, j'adore les belles choses. Et je l'ai fait très bien. D'accord? Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi, Sumeta? Les injures, quand vous avez... Oui, vous avez une armée cinglée de mal élevés. De mal élevés, de mouches, de bibites, de cachiens et tout ça, mal élevés, indigènes. Hein? Vous allez... À part ça, il y a quoi? Si vous regarde, j'ai pitié de vous. Je dis, mais c'est pas possible. En fait, ce qu'on a commencé comment pour se croiser, maman, vous allez parler de quoi ce matin? Vous allez parler de quoi? À part vous asseoir faire du bruit, 1500 personnes vont vous faire wow, wow, wow. Vous allez parler de quoi? Hein? Je vous questionne ce matin. Maintenant, on parle de l'agence matrimoniale. On va courir ce matin. Ne vous dérangez pas. Mettez les shorts parce que j'ai l'énergie. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu m'a forgé par rapport à vous. Oui,
Je dis bien, vous ne pouvez pas savoir combien de fois cet adversaire, l'homme que je sais, est sur moi par rapport à vous. On va courir. Quelle agence matrimoniale a fait quoi? Vous avez le fruit de l'esprit dans vos vies? Ngo, ça n'est pas au village de sa mère pour chercher un homme? Ngo, il n'est pas rejeté par tous les de la ville? Aucun homme hétéro ne la veut? Et vous venez parler d'une femme terriblement mariée qui a le fruit de l'esprit dans sa vie? Qu'elle ne va pas ouvrir parce qu'elle ne va pas montrer son mari à deux vieilles prostituées du nez? Vous êtes malade ou quoi? On va courir ce matin. L'agence Reine Bio Meet and Love. Vous savez ce que ça veut dire, Meet and Love? C'est voir et aimer. Quand tu me vois, tu m'aimes. Tout de suite. Et les gens qui vont faire partir de mon cocon vont être des personnes qui seront aimables et aimées. C'est de ça la parole a le pouvoir. Reine Bio Meet and Love. Suivez ce nom. Parlez de quoi? Hein? Ça vous rate? Reine Bio Meet and Love. Rencontre et amour. Tu me vois même moi-même. Tu m'aimes d'abord en tant que personne et individu. Béni en arrivant, béni en parlant. Parce que les choses sortent comme ça. Hein? Trop prête pour vous. Je suis trop prête. Si ça ne va pas être la campagne de publicité, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va courir. Soyez seulement prêts. Je vais déjà au pays dans quelques semaines. Là. D'accord? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Bien que ne arrêtez en moi. Vous allez m'arrêter avec quoi? Il faut demander à Dieu. Il coupe le souffle. Tout s'arrête. D'accord? Je dis bien. Il coupe le souffle. Tout s'arrête. Si vous ne lui demandez pas, il n'est pas d'accord. Arrêtez de vociférer. Le monde entier sait qui vous êtes. Arrêtez. Le reste des gens qui vous suivent, c'est des personnes qui viennent pour se branler, peut-être, quand vous avez votre tenue dévergondée, là. Sinon, en temps normal, il n'y a rien à prendre sur vous. Conseil, même, il n'y a pas. Voici l'autre, avec le français. Écoutez. Puis je dois français. Partagez le direct. Je vous ai dit, envoyez les étoiles. J'ai fait le direct, j'avais 400 personnes qui sont venues signaler. Je ne dois pas sortir de l'auberge. On va courir sur le temps. Le tout aussi, j'ai le choix. Écoutez bien ce qu'elle va sortir. Comme ineptie. Sans compter le grand texte qu'elle m'a écrit. Mais c'est pour venir. Quand tu es en direct, on regarde tous les petits bobos. Ses dents sont jaunes. Lui, j'ai les dents jaunes. Dans son... C'est ça qu'on prend. Vous voyez pas. Mais pour partager ce qui va te pupocer, même pour la diaspora. Ce qui va te pupocer, il francit là. Aba putiba bus pour nos Facebook, bon join vous. Les gens avaient les cerveaux de moineau. Aba vous venez discuter nos méta. Game is over. Le temps, ça dit qu'il n'y a plus le temps. Vous allez chercher comme ça. Ça sera un autre côté. D'accord? On prend les bouchons, mais ce n'est pas toi qui m'as pris, je danse mon challenge Congolibo, tu m'as mise aussi. Tu es différente de... Maman, on va courir. Show must go on. On va courir. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez même pas. Ça dit que moi, mon téléphone ne sonne pas. Hein? On ne m'envoie pas les messages. Parce que les gens vont dire, j'ai écrit. Maman a appelé, ma tante m'a appelé, mon oncle. Chez moi, on ne me téléphone pas. Je connais bien expliquer ce qui se passe. Et mes gens comprennent quand j'explique. D'accord? Donne mes téléphones pour ne m'écrit pas. Donc quand vous venez sur moi, sachez que vous avez en face de vous une femme prête. Je ne parle pas parce qu'elle choisit de ne pas parler. Oui. Mais qu'elle dit qu'elle veut parler, je parle jusqu'en. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, rien ne chauffe. Partagez le direct. Ha. Les bandes d'avortons de zinzin. Les parrains d'une fille d'une dé. Voici l'enfant que je vous dis de faire attention. Je vous dis de faire attention à cet enfant. Tout ce qui est fait depuis là, rien n'est fait. Quelqu'un, c'est un ordre. Fais attention. Comme tu cours pour aller voir Otam, tu vas chercher Otam. Sache que Lolo, c'est la personne de Nivakim. Donc en prenant Otam, parce que tu as dit qu'il va passer à ta télé, comme tu manques le sujet, tu es derrière les fesses de Lolo, comme la chèvre que tes pieds, c'est pour la chèvre, la tête, ça en a là. Locote, mène. Faites attention à cet enfant. Je parle comme ça. Je dis ça, je ne dis rien. Lokot Menni. Menni, c'est la personne de Lolo. En lançant son dit, il a dit, Lolo, tu es la partage. Menni, ko Lolo, connaît le cœur de Lolo par rapport à lui.
et connaît ton cœur par rapport à lui. Oui, imaginez, il y a eu beaucoup de phrases. Il a insulté, il a demandé pardon, il a insulté. Ça ne va pas comme ça tout le temps. La prochaine fois risque d'être fatal. Tu sais, quand tu es tombé à la ramasse comme toi, c'est-à-dire que le cafard tombé sur le dos, tu bouges seulement tes pas un peu comme ça. Tu as l'espoir que quelqu'un, en venant prendre même une tige pour mettre, tu vas vite te retourner. C'est lui qui a la tige pour te retourner. Puis non, vous les mouches là, comme vous êtes toujours que vous savez poster, vous savez écrire les choses, faites attention à cet enfant. Imagina Kenkam, Flo Imagina Kenkam Koulia, la fille de Anna Grenga, garde malade, qui est partout. Tu vas à l'hôpital pour garder ta mère, au lieu de rentrer prier pour sa guérison, tu es sur les cordes de Lolo Fondja. Tu es sur autant dehors. Voilà l'enfant qui va finir avec toi bientôt. Nous, on sera ici. Sache que ça sera bon à moi. Ne crois pas que je prends les gens pour te détester. Tout le monde a son... Ça dit qu'a son verre plein sur toi. Ce n'est pas moi qui les incite à les avoir. Chacun a son histoire. Pour celui-ci, ça va se sentir très mal. Parce que son mariage, tu es pour beaucoup, pour ceux qui ont voulu gâter. Et il a la preuve. Locotte, imagine. C'est comme ça que j'avais parlé ici pour ma fille Coco. Que Coco va sortir. Coco est sorti. On a une boîte noire pour la vie. Quand tu es sorti, derrière, tu as dit que tu vas faire ça, Coco, ça t'a. Quand Coco encore, quand tata n'a Coco, c'est encore levé, que fait nyan, tu as encore disparu. Maintenant, tu prends Lolo moins cher. Méfie-toi de Lolo que tu joues avec. Je t'ai dit, je suis pas là. C'est pas que j'ai causé Lolo, hein. Lolo ne m'envoie pas, avec qui? On peut m'envoyer quelque part. J'ai dit que méfie-toi de Lolo. En prenant Lolo, tu vas trouver ce que tu cherches. Aïcha Sol, qui a fait la télévision, que sa journaliste a fait, elle m'a ri, elle a demandé pardon à Lolo. Maintenant, ce Dieu. Qui sait comment il va utiliser le corps de Lolo pour que Lolo pardonne. D'accord? Mais toi, tu es encore sur ça. Aïcha Sol n'est plus sur ça. Toi, tu es encore sur ça. J'ai dit bien. Cet enfant, il n'y a pas quelqu'un sur Meta qui va sortir sur toi. Après Coco Kwetou. Parce que Coco Kwetou, elle a partagé. Tu comprends? C'est comme on appelle, c'est comme on enlève ton poumon. Cet enfant, méfie-toi. Les mouches, j'appelle ici Claude Akam. Il vous. Dame de Facochet, la mouche nouvellement recrue, ma jolie Ngamba. Elle est dame Facochet alignée, la plus laideronne de sa famille. Toi aussi, je t'appelle. Sors, ma jolie Ngamba. Calme l'enfance. Elle était dame de Facochet. Au lieu de t'occuper des malades et de voir comment tu vas relancer le commerce de ta soeur, comme Boya Agaté, tu es sur moi là. Sortez sur l'enfance. Voici l'enfant qui va vous mettre au sol. Pour de bon. Parce que lui là, ça va être très grave. Calmez-le. Je vous suggère, parce que nous, moi personnellement, imagine, je marche sur ta tête. J'étais amie au sol. Pour moi, c'est bon. C'est-à-dire que pour moi, je suis fière de ce que Dieu m'a utilisé. Et il a révélé pas mal de choses en moi. Il m'a donné. Donc, hein, toi, tu es une bouchée. Tu n'es rien. D'accord? Lui, là, il va finir avec toi. C'est très grave. Il n'a même pas. Il ne voit pas. Devant lui, c'est blanc. Donc, quand il parle, il ne voit pas. Tout devant là, c'est blanc. Donc, faites attention. Quelques mouches qui restent là, faites attention. OK? OK? Donc, c'est ça. En allant prendre autant, il passe à la télé demain à 20h. On t'occupe de ta mère à l'hôpital. Tu dis que tu as chauffé le reste de poulet avec le bobo pour aller manger à l'hôpital. C'est bon que c'est descendu. Mais au camp, pas passer à la télé. Oh, demain, 20h, oh, comme ça. Tu crois que c'est les cordes qui sont l'actualité. L'actualité, c'est ta propre vie. Qu'est-ce que tu en fais? À la veille, à l'aube de la retraite, imagine à quelqu'un. C'est ça l'actualité. Une prostituée qui a travaillé sans cotiser. Qu'est-ce que tu fais de ta vie à l'aube de la retraite? Est-ce que c'est les tapis et les petits coussins que tu as ramassés, que les rebonds finissent de prier dessus, là-bas à Paris, sur les Alakouba, pour aller mettre dans ta vieille maison moisie de Bonaberry? C'est ça qui va être ta retraite. Parce que tu me montres, tu vas descendre jusqu'à ce que tu prends une vieille cabane. Une cabane que je souffle comme ça, comme le loup souffle sur la maison, en paille de trois petits cochons, ça tombe. Ou alors, il y a quelque chose de menvenga. Hein? Menvenga. Propriétaire. Même au Cameroun, j'ai le locataire que j'encaisse en tant qu'héritière. Maman, tu as ça? Tu as ça? Seulement la maison Airbnb que tu es parti taper le laboratoire, t'as 4 clocs pour faire la maison. Tu voulais y mettre 75 000, tu croyais que tu étais dans quelqu'un, ou tu étais à Bastos. Coco t'a dit que mes 20 000, même 20 000, les punaises ont chassé les clients. Tu parles à qui, Magina? C'est grave. Donc, Nivakine. Je t'appelle Nivakine, pas Nivanus, pour dire ça. Nivakine. C'est lui qui va finir avec toi. Il a jusque là.
Et c'est quelqu'un. Après, il va demander pardon parce que vous faites toujours après dans la congrégation des djellé, pour vous causer, vous demander les pardons bizarres là. Le tour aussi, ça ne sert pas l'autre tour. Parce qu'il est très engagé. Ça fait quelques jours. Ça ne fait que venir. Vous savez que ça sort souvent comme si, voilà. Et quand ça sortit en vrai, je n'ai pas envie d'être à votre place. D'accord. 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 Est-ce qu'on est d'accord? Je dis bien d'accord. Comme le corps est fatigué pour la retraite, elle avait cru que peut-être en nous éradiquant de Facebook, elle va prendre toute la place. Maman, beaucoup d'enfants arrivent. Il y a encore les nouveaux enfants. Ceux alors qui arrivent derrière vont prendre, ils ont l'énergie. L'énergie. Oui, ils vont passer à la vitesse de l'éclair. Toi, tu es qui? Une retraitée du net? Une retraitée sans véritable retraite du net? Du net? Hein? Tu dis 14 ans de pouvoir. Le pouvoir était quand? Tu as œuvré quand? C'est à ton règne, était sous quel trône? Tu étais assise sur quel trône pendant 14 ans? Qui t'a mis le trône? Qui t'a mis la chaise majestueuse? C'est pas moi. Tu es malade? Tu fumes quoi? On va courir ce matin. Voici l'enfant qui va finir avec cette fille. Il est calme. Coucou, bonjour. Il est calme. Il est calme. Avant de détacher la tête et vous le faire, je détache la tête pour vous le faire. Voilà, enfin. S'il vous plaît, que quelqu'un prenne le temps de me buter Péril le lion. Péril le lion, c'est une mouche métastasée. Alors, qui m'a insulté, vous vous promenez sur son mur, m'a insulté, caricature. C'est-à-dire que c'est le genre que si on insultait quelqu'un, il maigrissait. C'est que même squelette n'y va qu'il là, c'est que moi je suis même, c'est que lui il est gros. Moi, ma joum, ton moingbe. Parce qu'ils se sont assis sur moi des années, direct dans le noir, en vérité, en pas vérité. Il y a une autre qui était ici là. Celle qui s'appelle Biscuit de quoi là? Elle voulait aussi être Biscuit de mer. Celle qui est ici à Montréal là. Elle était amoureuse de Périlo et les Conilo et les quoi, les machins. Il y avait toute une histoire. J'ai dit que ces gens-là, pas que vous parlez, que vous gueulez maintenant, vous ne faites rien avant là. Ha! On t'insulte jusqu'à ce que tu te sentes. Tu dis que, qui? C'est normal. Tu demandes à Dieu que Dieu, pourquoi? Et comme moi, je n'aime pas me laisser faire. Oui, j'ai dit à Dieu que Seigneur, aussi vrai que tu es un Dieu de vérité, je veux que tu les poursuives. Un à un. Ça a commencé que je ne vais plus inciter la mère là. Oui, le tourment du Saint-Esprit. Moi, la nuit, tu dors quand on te poursuit. Tu vas me poursuivre pour toi toutes les nuits. Je ne fais pas les problèmes. Si j'entends mon mari, si j'entends mes enfants, tu cherches que les problèmes viennent d'où? C'est moi-ci là. J'ai dit que je courais dans les rêves, dans les têtes des gens là. Ndadi. Ndadi Choubou. Vrai de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, ils sont où? Périmbet Ndjengapla. C'est une mouche métastasée, aveugle. Ce sont eux. Voilà que Nivaki nous convoque à la barre. De manière très polie. Très polie. Il commence tout doucement. Je n'aime pas la manipulation. Il n'aime pas la manipulation. Tata Lolo, partage. Partagez. Tata Lolo, moi, je te salue. Si tu es là, partage. Nous tous, on est que. Tata Lolo. Et je vais saluer aussi, avant de commencer, je vais saluer aussi, parce que faut que vous sachiez quand on parle de la même, ce n'est pas de problème avec. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les mousses métastasées, oui. Le suivisme mouton. Voilà. Il a un problème avec ceux qui font le... Parce que lui-même était un suiveur mouton. Il m'a insulté gratuit pour Edengoy. Il y a les abeilles perspicaces. Comme ça que je les appelais. Il y a les abeilles perspicaces que je connais même en face. Il y a une qui est entrée là tout à l'heure. Mais elle n'insultait jamais. Il y a aussi celle qui est à Toronto, là, qu'on dit là. Oui. Des bonnes personnes. Abeilles perspicaces, il y en a. Et il y a les mouches métastasées aveugles. C'est à eux qui s'adressent. C'est à elles qui s'adressent. Quand le lion vient me poser la question que tu m'as posée aujourd'hui, je ne vais pas répéter la question. Mais je vais te répondre. Réponds, papa. Très tard. Très tard, merci. Et puis, à un certain moment, vous l'avez constaté. Si vous en parlez, ça veut dire que vous l'avez constaté. Et moi, je me retrouve très rapide ce soir. Et j'étais aussi, pour aller plus loin, j'étais dans tes commentaires. Si j'étais vraiment une personne qui est sincère, d'accord? Parce que moi, quand je prends l'exemple, je mets une personne ici que je n'ai pas envie qu'on insulte. Donc, je précise, tout le monde me connaît avec ça.
Je précise que quiconque dit un mauvais commentaire, je le saute de ma page. Bonjour, DS, jolie, jolie page. Il y a de ces noms. Jolie page. Il va qu'il parle. Ne lis pas les commentaires. Parle, mon fils. Essayez de vivre, essayez de vivre. Merci. De cette marque hypocrite, d'accord, de cette meute hypocrite, de sorcier, je dirais même de manipulateur. Quand la chose qu'on appelle Satan petit père Tobias s'est placée pour m'insulter, complètement des cervelles prélatées, et je ne comprends pas comment est-ce que les PD, ils sont avec vous aujourd'hui. Parce que moi, si tu viens m'insulter, si tu insultes mon ami PD, ça veut dire que tu m'as insulté, parce que tu sais très bien que ce soit ton Toby, que ce soit l'autre que j'ai pas envie de citer le nom, tout ce sont des personnes homosexuelles avec des gros trous dans le cul, d'accord? Venez m'insulter, venez insulter ces personnages. Aujourd'hui, vous avez fait croire à Toby parce que vous avez, je ne sais pas ce que vous attendiez de lui, il va m'insulter. Je ne peux pas avoir un débat avec Toby. Toby est trop petit pour être, pour que lui et moi on discute quelque chose. Mmh. C'est vous qui accordez l'importance à des conneries, des stupidités pareilles. Moi, je ne peux pas discuter avec Toby. Déjà, la géolocalisation, notre géolocalisation, ça fait la différence, ça creuse le fossé. Je n'ai pas d'énergie à me discuter avec quelqu'un qui est à 6000 km, qui fait un partie de ma communauté, deux que je ne connais pas, trois que je n'ai pas envie de connaître. C'est vous qui avez besoin de connaître ces gens, parce que chaque fois, vous êtes dans les histoires de soutirer les informations, savoir qui a fait quoi. Ce n'est pas ma vie. Mm-mm. Ce n'est pas ma vie, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas envie de finir ma vie comme ça, d'accord? Depuis des lustres. Et c'est ça qui est ça. Et c'est ce que vous devez retenir. Que ça vous plaise ou non. Vous m'avez appelé général pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui s'enlève comme ça, d'accord? Si aujourd'hui vous arrivez à dire des stupidités, des âneries, ça veut dire que ah, vous êtes une meute de tribaliste aussi, d'accord? Quand j'entends, je lis vos commentaires, vous faites pitié. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Mm-hmm. D'accord? Ça, c'est clair. Je dis la vérité. Mm-hmm. Le jour où je vais me lever ici, j'entends mon nom, pas les petites phrases et les petites facettes que vous avez souvent l'habitude de dire. J'entends et ils s'expriment bien. Dans un direct, pas les posts. Mm-hmm. Vous allez comprendre que je peux dire je peux avoir des paroles qui remplissent tout un immeuble et ça sera basé sur la vérité fondée et à vérifier. Essayez-moi, vous allez voir. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Je n'ai pas peur de vous. J'ai juste décidé que ça ne fait plus partie de mon quotidien. Je ne vis plus pour ces choses-là. Ces choses-là ne m'apportent rien. Merci. Dans ces choses, il n'y a ni reconnaissance, ni de l'amitié dans ça. C'est une question de profit. Tout pour eux, rien pour les autres. Merci. Merci. Moi, que vous voyez, si je vais chercher vraiment là-bas, je connais dans quel, je connais quel endroit je vais aller chercher l'argent là, d'accord? Vos patrons, les enfants, ils font pareil, même là, je vais vous dire aussi, même la chose comme ça. Vous les malades, vous parlez à qui, ça, vous me taguez dans les posts, vous me taguez. Il a fallu que Toby, vous déçoive. D'accord? Vous avez voulu montrer au monde que non, c'est d'autres personnes qui sont les mauvaises personnes. Merci. Jusqu'à quel point vous êtes descendu dans la bassesse. Merci. Pour le aide-moi à décrire. Merci. Les cervelets qu'on appelle Nicole Isaac, oui. Cette idiote, cette dernière qui a en Italie, en Sicile, perdue dans les coins perdus de la Sicile, là, je crois qu'elle doit être à Palermo. D'accord? Être ambassadeur de Tap Tap 5 et être vendeur Tap Tap 5. C'est deux choses bien différentes, d'accord? Un ambassadeur a un salaire, un vendeur est payé en fonction de ce qu'il vend. Donc, c'est pour dire que tout le monde peut être vendeur de XBS, tout le monde peut être vendeur de TapTapSend. Je n'ai juste, nous n'avons pas, moi personnellement, je n'ai pas le temps de ces choses-là. Je n'ai même pas le temps pour finir, pour faire les histoires de contrats. La seule façon, la seule chose que j'ai acceptée ici sur Internet, elle démarre Karine Mongoué. Je vous invite d'ailleurs à aller acheter beaucoup de produits chez elle. Elle en a pour différentes qualités de peau. C'est le seul contrat que moi j'ai accepté. Si je ne vis
pas de ça. Je suis un gars qui j'ai tellement de fierté en dépit de ce que vous pouvez croire et ce que vous pouvez voir. Moi, quand je marche avec des gens, je n'attends pas qu'ils achètent pour moi. Quand je marche avec des gens, je ne suis pas la lèche-botte. Je ne suis pas une sous-personne, d'accord? Quand vous faites votre banal, quand vous voulez parler de l'homosexualité, vos soi-disant gens que vous acceptez, que vous avez adoptés aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, ce sont des PD et des grosses tapettes. Des gens qui discutent même pour les queues dans les bars, chose que moi, je n'ai jamais faite. On n'a jamais vu. On ne m'a jamais vu, d'accord, dans un Evelyne Mbakop, le gros et sale cul de ta mère avec les asticots dedans, je te bloque, serpillère des toilettes publiques. Ici, là, quand on ne parle pas, maman, je dis que... si tu as quelque chose à parler, tu prends ton téléphone, tu lances ta caméra et tu mets ton direct. Même si c'est pour dire des choses sur moi, t'inquiète pas, quand tu vas parler de moi, ils vont faire tout et tout pour que cette vidéo arrive vers moi, d'accord, voilà. Donc, tu fermes ton cul. Venez vous citer, machin, ceci. Tu n'es qu'une sale petite vendeuse. Un vendeur comme tout vendeur. Vendeur de beignets, vendeur de haricots, vendeur de piments, vendeur de tout. Tu vends chez Tap Tap Sense, c'est tout. Toi, Nicole, c'est bien. Tu as débarqué un jour dans un live TikTok. Nicole, tu n'es rien. Tu as la qualité de fille que dans le quartier. Hein? On entendait que les gens partent en aventure au Maghreb. Ils bousaillaient. Ta mère ou ta tante, parce que quelqu'un qui a vécu avec une maman, pour une fille Bamileke, je te trouve très cheap. Parce que les Bamileke n'éduquent pas leurs enfants comme toi, tu es là. Tu es une pâle copie de la veine. Une pâle version de la fille Bamileke. Donc, ça veut dire que quand on te regarde... une version pâle! Non, il s'exprime très bien. Oh, Nivaki, qu'il commence là, maman. S'il ne parle pas de bilan, hein. Il y a quoi français? Famille finie. Tu es famille finie. Tu as au moins 8 enfants au Cameroun, Nicole. Pourquoi tu n'en parles pas, comme toutes les femmes? Si moi j'étais une femme et que j'avais accouché au Cameroun, c'est que mes enfants sont déjà ici avec moi. Une sale bordel comme toi. Tu te prends pour qui? Tu es qui? Tu es quoi? Vous pensez que quand les gens ne vous répondent pas, c'est parce qu'ils ont peur de vous. C'est juste qu'à un certain moment, tout ça, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien à personne, à part les ennemis. D'accord? Tu n'es rien, tu n'es personne. Au lieu d'aller t'occuper de ta fille, que l'incassaton violé en Libye, là, tu as accouché ton enfant parce que vous voulez nous faire croire que ce sont les enfants métis. Nicole, tu n'as pas un an en Europe pour avoir accouché un grand enfant comme tu as là. Tu n'as pas un an en Belgique. Tu es demandé, tu as débarqué sur les côtes de Lampedusa il y a quelques temps, avant nous tous, nous avions débarqué. Au lieu de te concentrer, il faut. Ouais. C'est que ça tourne. Attendez, je vais aller chez ma fille chercher ça. Ma fille aussi a posté ça. Attendez, je vais aller chez ma fille. La partie qu'elle veut trouver, c'est seulement ce qu'elle veut mettre. Non, c'est pas ça. Ma fille a posté. Attendez. Je vais ma fille trouver ça. Elle a coupé. Coco, c'est un cas. Attends. Coco. Oui, ça gospel ma mise que je danse. Regardez. Est-ce que je ne reconnais pas mes danses? Ah, mon Congo, libre. Putain n'a pas pleuré. Ngosuite est contente. Quand elle dit que putain n'a pas pleuré comme ça, c'est Ngoï. Et Ngosuite est contente parce qu'on a pris Achille. J'ai la djinn. Peut-être le feu sort. Est-ce qu'elle veut couper ma tête pour vous? Elle veut chercher ma fille. Ma fille a coupé ça. C'est grave. Ma fille a coupé, voilà. Même que je reprends une dernière comme toi, elle pourrait faire la réunion pour ne plus parler avec moi. C'est bien comme Nicole qui a ouvert la pourrie bouche. Il dit que lui sort sur son front. Hein? Mais des masses soient, maman, il y a une tout m'en fout.
Mimba, minuantro, mimba, avec les femmes, c'est que l'on voit ma cour au stade. Tu ne peux pas aller gérer ton accouchement. Tu as toujours les anciens dit. Aujourd'hui, tu veux te comparer à l'un des gens jusqu'à l'un des tels moutons. Après la capture des camps dans les villes, pour demander que qui est plus noir ça, qui est plus noir ceci. D'accord. Qui est plus noir cela, qui est plus noir. En fait, ce que je veux te dire, l'école, tu es une folle. Tu es une folle. Bonjour, maman Africa. Voilà les belles femmes, la diaspora positive. Hein? Elles tapent, elles sont belles en Selam. En bon assemblée, en plein marché, la traçabilité de son argent, c'est là. Amen. Merci, mon fils. Merci. Vous êtes toujours en train de venir vous discuter avec les gens. Les vieilles mains qui sont arrivées en Europe à l'époque, vous avez connu le temps français. Vous êtes dans les comparaisons. Vous êtes dans les comparaisons avec les gens qui n'ont même pas 10 ans en Europe. Vous ne trouvez pas que vous êtes descendu plus bas. Voilà. Plus vieille mais que les François Mitterrand connaît. Hmm? Les vieilles, les chouettes, comme on les appelle. Comment on les appelle les chouettes? Vous avez connu François Mitterrand. Vous avez connu Georges Pompidou. Valérie Giscard d'Estaing. Ce sont les livrés dans une guerre sans merci, dans la mer, dans le désert, pour venir se chercher. Tout ça à cause de votre égoïsme. Oui. Vous avez serré partout ici, en Bengale, partout les bordels, le bol, les hérissons. À cause de vous, parce qu'on accuse souvent les gens, à cause des bordels qui ont gâté tout en Bengale, que quelqu'un peut plus demander le visa. Quand tu dis Camerounaise, un blanc est quitté à côté de moi la dernière fois parce qu'il a cité le Camerounais. Je disais seulement pour ça, pour être non, il va apprécier. Il m'a dit que non, il n'a pas de très bon souvenir avec nous. Tout ça, c'est au travail. Des bordels comme ça. Je ne vais pas encore faire de la pour vous dire ça. Vous ne saurez plus rien de moi. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, c'est ça. C'est tout, Niva. Et mettez même la Rome à juste ça. Je suis prisonnier de votre stupidité et de votre bêtise. Mais je ne suis plus là pour éclaircir. Je n'entre plus dans les histoires de clairvoyance là. Tout ce que vous dites, c'est ça. L'inéminence. Vous allez qui? Vous êtes quoi? Les gens même que vous me citez là, ils sont qui? Ils sont quoi? Merci, Niva. Hein? Ils sont qui? Ils sont quoi? Ils ont fait combien d'années en Europe avant de réaliser? Donc vous allez venir nous mettre la corde au cul. Vous êtes malade? Comparez-moi avec les enfants qui sont entrés en Europe en 2016 comme moi. Comparez-moi avec les enfants qui ont mon âge. Et tu es entré en 2007, tu es une maman comme moi qui est entré depuis 80 combien? Ne me comparez pas avec les gens qui sont arrivés en Europe quand on utilisait encore le franc français. Si vous n'avez rien foutu en cette période-là, ce n'est pas maintenant qu'on utilise l'euro quand vous allez faire quelque chose. Il ne mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Un engrenage à chier le glaçon. C'est ça. C'est pour vous influencer. Et maintenant, je vais être ami avec qui je veux. Je suis sûr à 100 000%. Sans faire les classes, d'accord, je peux cadrer un nombre de personnes qui vont me suivre. Ce n'est pas parce que j'insulte les gens, ils vont me suivre pour la vérité, ils vont me suivre pour le sens du discernement, d'accord, voilà, ils vont me suivre pour tout ça. Comme moi j'ai la crème de crème, ils sont toujours là pour moi. Merci pour les étoiles, ma chérie. Je vais demander comment va le Luxembourg. Il y a une Wikipédia. Yannick, tu as demandé, quand je suis en train de parler de mes choses ici, tu pouvais m'envoyer, te bloquer. Tu pouvais m'envoyer le message là avant pour me dire que tu avais quelque chose à me dire. Et évitez souvent de venir m'écrire en commentaire, comme si vous me connaissiez. Yannick dit que je ne te connais pas. Merci. Ne viens pas quand je suis en train de parler de mes débats, mes choses qui sont bien pour moi. Que je suis en train de parler, bien me dire, qu'est-ce que j'ai à foutre? Tu vas me dire quoi? La dernière fois, tu m'as menti que tu étais enceinte. C'est pour me mentir maintenant que tu es où? En Australie? Ou à Paris ou à Bruxelles? Les menteurs du net. Quand tu as quelque chose à me dire, ne m'attends plus jamais en direct. Arrêtez de vous faire remarquer de manière négative.
tu pars dans mon idée, tu m'écris là-bas. Si c'est trop pressé, écris-moi le message là ici, on lit une fois. C'est quoi avec vous? J'étais sur Larissa. Larissa, je ne suis pas président de Luxembourg, bien premier ministre ou bien duc. Et à Wikipédia, si tu veux prendre les nouvelles de Luxembourg, tu pars sur Wikipédia. On va t'expliquer le pays, comment est-ce que le pays a commencé. Ce n'est pas à moi de venir me poser les questions là. Voilà, voilà Maman Africa ici là, en 2016. Moi, je suis arrivé en octobre 2016 en Europe. Itam, c'est les mêmes côtés de Lampedusa que la folle, que où la folle de Nicole Saint-Pierre. Parce que parfois, elles sont tellement stupides qu'elles sont bosailleuses, elles suivent les gens qui insultent les bosailleuses. Quand tu vas suivre, toi, un PD qui suit quelqu'un qui insulte les PD, c'est tu es la racaille, la raclure des PD. Parce que moi, même si je déteste un PD, tu n'insultes plus personne LGBT l'homme. Ça veut dire que tu n'as aucun respect pour moi. D'accord? Donc, vous, les bosailleurs, qu'on passe à insulter, on insulte le président au devant vous. Pourtant, vos frères, vos sœurs, les gens qui vous font manger, Maman. Vous, ils ont la parole qui pose ça. Avant que vous pouvez manger, ni vacuum, ça dresse en bruit. Parmi les réunions, vous pouvez finir d'abord d'insulter après, etc. Donc, moi, je n'ai pas les problèmes, les gens qui ont beau ça. Si tu n'as pas pris le visa à l'ambassade de France, ou bien à l'ambassade de Suisse, ou à l'ambassade de Belgique pour entrer ici, vous ailleurs, vous entrez en Europe avant avec les passeports des gens. La chaîne et les cervelets qu'on appelle compresseurs, elle est arrivée en France. Comment elle n'avait pas encore fini de payer la rente maintenant, plus de 19 ans aujourd'hui. J'insulte Ngoï, c'est la partie là qu'elle coupe parce qu'elle est contente que je lave la partie putana. Non, on est là, on attend. Compression tiki-tui souffle sur. Et ce n'est pas aujourd'hui un tiki-tui depuis qu'elle est bordée dans les camions à 200. Depuis le Cameroun. Ah, la Cameroun. Mais sorti. Moi, il va devoir calculer beaucoup. C'est dans l'ensemble. C'est dans le très joli, j'étais avec les vieilles mères. Elle parlait des petits-fils. Les enfants qu'elle veut mettre au monde deux fois et demi. Parce que gardez l'embarque quoi. Ben. Vous croyez que vous avez fait l'équipe parce que les gens ne vous répondent pas ou bien vous croyez que vous nous avez fait peur. Et je voulais aussi rajouter, Wally, c'est bien fait pour toi. Il vit à Chic. On a fait la fête de ma copine, mais à Chic. Vous allez comprendre que moi, quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain, il dit qu'il m'aime déjà, il me défend déjà. Après, moi, il veut lui donner mon numéro personnel. Pourquoi? Au nom de quoi? Je te connais plus. Non, j'ai tellement fait le. Donc, j'ai
tellement patrouillé dans Facebook avec plusieurs stratégies. Nous, à l'époque, les vraies abeilles, on partait avec une femme des hommes qu'on voulait mettre au sol. Donc, là où vous êtes là, aimez-moi à distance, dans la position. Ne te lève pas, tu vas dire que tu me soutiens déjà du jour au lendemain. Oh, man, non, je ne veux pas. Moi-même, j'ai fait ma guerre. Je peux me chambrer pendant 24 heures. C'est ma fille Coco qui enregistre. Elle enregistre ses commentaires. Tous ses commentaires. Oui, oui. Je dis que compresseur. Voilà ce que Coco Kouetou avait dit là, qu'elle a niaise compresseur. Et compresseur, c'est déjà vu avec Coco Kouetou. Pas une fois, pas deux fois. Elles ont fait l'amour. Oui, oui. Les gens qui insultent la catégorie de vieilles femmes qui insultent les gens. Même dans les partouzes, à lieu Saint-Moi, si tu connaissais le tibintui, la majorité des bordels sont tibintui. La majorité des bordels sont tibintui. Oui, même si elles sont. Vous écoutez, non. Il va finir avec. Mon fantasme, c'est que vous devez vous toucher. Oui, oui. Le va dire ça. Et comment elles aiment l'argent? Hein? Comment elles aiment l'argent? J'espère que tu as utilisé un autre mot pour faire l'amour. Un grand-dèche. Et puis, nous avons participé à ce ballon aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous parlons plus beaucoup le matin comme ça. Bon, je vais vous laisser. Hein. C'était parce que je n'ai pas aimé beaucoup les tagages et les tagages qu'on m'a tagé là-bas. Je n'aime pas l'hypocrisie. Vraiment, je n'aime pas l'hypocrisie. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir me poser que tu reproches quoi à Flore. Flore n'est rien, elle n'est personne. Merci. Il n'y a personne dans ma famille qui s'appelle Flore. Mm-hmm. D'accord. Je le dis aujourd'hui pour que je le dise. Vous allez me foutre sur la tête. Je ne suis pas une sous-personne. Mm-hmm. Quand je suis ami avec quelqu'un, il faut qu'il y ait du respect et de la confiance. Merci. Mais c'est pas dans l'amitié des textes. Voilà. Qu'on va les considérer là où il y a une chatte à lécher. D'accord? Ou bien il y a un bangala à citer. Ne me faites pas, je parle mal. Parce que vous pouvez parler très mal. Pardon. Ne me faites pas, je parle mal. Faut calmer l'enfance. Ne me faites pas parler bien. Faut calmer l'enfance. Anna Inga Badan de Fagochère. Calme l'enfance. Koda Kab, Djunjou Kalaba. Ça vous plaît. Réveillez-moi, Yuri, à Gambila. Comme je suis resté tranquille, j'ai laissé les gens faire leur copinage machiavélique, alors qu'on me laisse être copine avec Tata Lolo. C'est ça. Parfait. Pourquoi quand je mets la photo de Tata Lolo, ça suffit quand je te dis, ça va rester là, un an, la photo là. Mm-hmm. Donc, on refuse. Donc, ma crème des crèmes, voilà le problème. Ngoye a le droit de choisir quand est-ce qu'elle fait la paix à qui, avec qui qu'elle veut, marcher avec qui qu'elle veut, produire avec qui qu'elle veut. Mais Nivakine n'a pas le droit d'aller parler avec Lolo. Or, qu'il a toujours été bien avec sa yam sœur. Lolo est sa yam sœur. C'est une personne très proche de lui. Ils ont toujours fonctionné ensemble. Vous voyez comment le monde est méchant. Donc, les mouches accusent Nivakine d'avoir mis Lolo, or que Lolo envoie à leur patron. Ngosa qui insulte Nivakine, Ngoye avec Ngosa. Donc, comment vous voyez un peu ce genre de choses? Pourquoi Ngoye ne doit pas aussi se plier par rapport à Nivakine et dire que je laisse Mossa au nom de Nivakine? Qu'elle a pris pour m'insulter pendant des années? Nivakine m'a insulté ici, aller retour final. Inventer toutes sortes d'histoires sur ma propre vie ici devant, sur Facebook. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici sur Meta? Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire que vous n'avez pas encore compris ici sur Meta? Et vous allez venir nous dire qu'on ferme nos bouches, qu'on a peur de vous, que vous allez nous faire quoi? Nivakine avait Lolo Pian. Je dis que repien, c'est comme ça. Mettez vos têtes sur le goudron si ça vous choque trop. Moutoua tcham zina. Biyap chouzine le goudron, moutoua tcham. Vous allez être mal à l'aise pendant un an. Vous le garantissez et je vous dis aujourd'hui. Mm-hmm. Vous êtes malade, vous êtes contrôlé. C'est ça. Hein? Hmm. Marco, tu dis que j'arrête quand tu arrives. Non, Marco, je n'aime pas. Vous-même, vous m'avez vu ici.
ou même vous m'avez vu ici. Je n'ai pas besoin. Si moi je vais clasher Flore de toi, c'est vous qui voyez Flore comme. Si moi je vais clasher Flore, Flore me connaît. Flore a mon numéro de téléphone personnel. D'accord? Attends, richesse. Jusqu'à le voir, il y a un embauche même déjà, le gars qui était d'abord parti appeler dans le direct. Vous êtes des esservelés. Moi, j'ai soutenu Flore d'un seul cœur. Allez demander à Flore si elle m'a donné l'argent une fois un jour. Que l'argent, mon petit. Allez lui poser la question. Elle a payé ton bichou. J'ai soutenu Flore comme un bouton. Avec le cœur que je supporte. Bonjour Nadia. Je sais que Guéma est passé. Guéma revient. Voilà Nivakin qui se lève sur Ngoy. Guéma revient aider Ngoy. C'est les Anna Ngamba qui vont essayer. Anna Ngamba a vendu le commerce de sa grande sœur. Oui, elle a mis ça que en balotage. Elle m'insulte moi. J'ai dit que Anna Ngamba, voilà Nivakin. Répondez. Gros la table. Répondez. Pascal a. Je n'ai rien à discuter avec vous. Oh Pascal, Dieu barde, Dieu barde. Maman, abarde, abarde, maman, Dieu barde, Dieu somme. Bon, aveu, mes égales, je suis là. Oh, non, tu m'as, Pascal. Oh Pascal, t'as le nja, oh, men, kati, bo. Maman, bah, ni va qui n'enga, nous, bo. Ma tu pour corp ni va qui pour les réussir, ne corri. Maman, maintenant, tu m'as, 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 moi, là, que fait? Moi, je vous mets le logo. Je suis tout seul. Mène ton temps. Moi, tu me bombes à Guéma. Bombes à réserviste. Bah, que dis-je? Bah, abeille, bah, réserviste. Vous voyez que le boulot est chiant. Là, vous êtes chiant. Cacham. Cacham. Bip, bam, yo, fufa. Nous, on y va qu'une seule, nous disons, tu vois. Mène tout nous. Ma tata. Tu sais pourquoi? Parce que Ngoy fait la paix avec Gospit. Qui est l'ennemi de Nivakin? Mais Ngoy ne fait pas la paix. Ngoy ne règle pas. C'est-à-dire que les mouches veulent que Nivakin ne gère pas Tata Lolo. Parce que Ngoy est en conflit avec Tata Lolo. Mais les mouches veulent que Nivakin acquiesce le fait que Ngoy ait fait la paix avec Ngospit. Hey! Nivakin dit alors que Lolo c'est sa personne. Allez sinon, chacun va gérer sa personne. Donc Ngoy va avec Ngospit, lui va avec Lolo. Les mouches disent comment tu peux mettre le lot sur ta photo de profil. Chez nous, là. Maman, nous, que fiat. Maman, maman, nous, que fiat. Moi, je me veux me rendre. Que fiat, nous, joli. Nous, les tatons. À moi, nous, que fiat. Maman, Pascal. Ouais, non, tu m'as. Ouais, non, tu m'as. Moi, il a sifflé, mais Pascal. Tu m'as fait Facebook pour siffler. Anangrenga, pas au civita. Joue que yon. Anangrenga, que fou. Donc, vous allez nous faire Facebook pour siffler. Marine, toi, veux que vous êtes fou. Qui est mort? Personne n'est mort. Oui, je parle mon patois, la langue nationale. Il n'y a pas deux patois plus que ça. Maman, tu sois là. Tu es là. En étant, tu es là. Aïcha Plantain. Aïcha Plantain, si. Ce n'est pas un profil de Ngoy. Vous savez que je ne connais plus ces profils. J'ai tellement bloqué. Je ne vois plus trop les profils de Ngoy, des gens de Ngoy. Aïcha Plantain, ce n'est pas un profil que je me rappelais. C'est un cachien. J'ai dit que c'est chaud. Nivakin est avec Lolo. Ngoy est avec Gospit. Les mouches sont contre que Nivakin a posté Lolo sur son but parce que Ngoy a le macabre de Lolo. Donc on doit marcher selon la respiration de Ngoy. Et Nivakin dit qu'à l'aise, sinon, ça sort comme ça sort. Il est avec Lolo jusqu'à après-demain. La photo de Lolo va rester un an sur son mur. Un an. Même Nivakin connaît faire les problèmes. Il dit que quand il finit de parler, il fait 7 mois. Il te répond plus. Donc Ngosa, en tout cas, Ngosa a dit que, je vais aller chercher ça. Ngosa a dit que. Elle a fini la mère de Nivakin au pays. Que sont les déis là, non? C'était pas Ekoko, c'était la mère de Nivakin. Elle veut que Nivakin vienne. Vous savez, comme ils aiment. Elles ont les cancanons ici dehors. Ko Aïcha. Elle dit qu'elle est parce qu'elle s'est dépassée. Donc, Ngosa dit qu'elle a merde vous mère Nivakin en moi là. Ma merde, quand elle était encore au pays à l'époque, elle était jeune. C'est là-bas qu'elle a fini la mère de Nivakin dans l'édéisme. Donc, le tout, si elle veut seulement que Nivakin sorte en Lyon. Et tu que Nivakin a dit qu'il donnait 7 mois. Mais j'ai conscience. Je suis la tête de Ngosala. Nivakin, un bon flore. Il va traiter Magina. Comme vous ne voulez pas vous calmer. La mouche qui est à Toronto, là, l'abeille façon, là, qui avait osé s'en prendre à moi, que j'avais raison. Oui, toi, la payeuse d'argent de Toronto, là. Oui, comment ton nom, là, c'est quoi, là? R, là. Hein? Voilà. Faut voir avec Nivakin. Il va verser. Nous, on va ramasser.
C'est bon à nous. Tout ce que votre patron vit là, c'est bon à nous. Et c'est le problème, c'est que c'est des gens qui étaient dans son. C'est-à-dire que la calebasse s'est cassée. Oh. Comment vous expliquez ça, comment? Je vous explique avec la haute hiérarchie. Voilà. Oui. Le jour où je vais m'asseoir ici, je le dis ici sur Facebook. Comme vous allez faire, vous allez faire, vous allez faire. Si c'est elle-même, elle était une personne qui réfléchit, qui utilise ses facultés mentales et qui a un peu le sens du jugeur, qui ne pense pas seulement à elle. D'accord? Elle devrait vous dire. À vous, cette bande de serpillères qui heureux nuit et jour en faux profil pour attiser la haine et la dysanie d'arrêter avec mon nom. Qui ne dit mon consentement? Voilà. D'accord? Voilà. Le jour où je vais me mettre sur Facebook, j'entends mon nom. En parabole, vous allez voir ce qui va se passer sur Facebook. Je vais aller chercher les gens dans les quartiers, les gens qui ne font pas Facebook. Voilà. Coco dit que quand les gens voulaient cotiser pour Niva, qui m'est découragé. Quand les gens voulaient cotiser pour Nivakine, est découragé. Djongo et Oumami sont nous. Djongo, José, oh, Bitsen, Djongo, Montréal, oh, Joséphine, Djongo, oh, maman, mais les mouns, Djongo, voyons. Djongo, choum, choum, Nivakine. Moi, plutôt, on m'a envoyé des cadeaux parce que j'en ai jamais arrivé tellement où les gens sont venus me traiter d'égoïste. Mais je dis, vous me traitez d'égoïste par rapport à quoi? Je n'ai jamais rien reçu vous concernant mes présents à faire envoyer avec des fonds. Oh là là, trop de vérité. On a envoyé des cadeaux à Nivakine, à Magina Kenga. Avec des preuves à l'appui, Magina n'a jamais donné le cadeau à Nivakine. Et Coco dit que quand on voulait cotiser l'argent pour donner à Nivakine, Ngoï cash, Ngoï bloquait ça. Vous voyez alors. Vous voyez, ça fait combien d'années? 4 ans. 4 ans que je parle de ça. Souvenez-vous du déclenchement sur moi. C'était parce que Reine Galoise avait dit qu'il faut qu'on me fasse un litige. Ngoya a vu qu'elle va avoir l'argent. Ma maison brûle. Les gens disent qu'on va faire un geste. Ngoya s'assoit sur sa pomme. Eh! Non! C'est là Nivakine qui parle. On a envoyé des cadeaux à Nivakine. Vous savez comment quand un fan, oui, tu vas voir Nivakine, prends ça, tu donnes à Nivakine. On a donné le cadeau à Nivakine. À Ngoya d'aller donner à Nivakine. Ngoya a tué le cadeau. Mais c'était d'une valeur. Et les gens attendent que Nivakine dise merci. Nivakine ne dit jamais merci. On traite l'enfant d'ingrat. Ok, non, c'est que dalle. Et c'est là qu'il dit, je n'ai rien reçu. Et il regarde Ngoyé comme ça. Il dit, yes, avec preuve. Voici la preuve. Les gens donnent la preuve. Oui, le tout aussi, pardon. Djongwe. Bipez-moi, Joséphine Djongwe. Ouais, j'ai bloqué Djongwe dans tous ses papas. Djongwe, au moins 10 ou 15 comptes. Toujours au nom de Djongwe. Elle ne connaît pas les mots de passe de Facebook. Djongwe n'a créé compte. Mot de passe à faire. Djongwe, butse, alléluia. Ma soeur, José, Djongwe, oh. Tu ne vas pas tenir longtemps. Toi qui as invité Ngoï dans le marécage du quartier, là-bas, là, le quartier de Pierrefonds, là-bas, il y a les maisons des HLM. Là. J'ai dit que Ngoï sort vite, Joséphine Ngoï, la mangeuse de 10 boules de couscous. C'est Chup Nivakine de nez. Sors derrière la scène de couscous, tu viens arrêter l'enfant. Chup Menni, comme Menni, Chumba, Chumba, Joséphine Ngoï. Je t'en supplie, petite soeur, c'est vous les petites. Vous êtes tous 20 ans. Joséphine Djongwe, ma petite soeur, sors venir arrêter l'enfant. Si l'enfant s'y parle, je ne sais pas comment on va faire. Va dire ses cadeaux. Aujourd'hui, Pascal, ses cadeaux disparaissaient. Les donneurs de cadeaux étaient fâchés. Et ils disaient que l'enfant est ingrat. L'enfant n'était pas ingrat. Ils voyaient que c'était mal élevé. L'enfant n'était pas mal élevé. Le cadeau n'est pas arrivé à bon port. Ngoï a détourné tout. On peut avoir gros cœur comme ça. Coco a écrit noir et blanc là que quand on voulait cotiser pour toi, elle a refusé. Yeah! Nivakine. Ouais, quand je parle, vous croyez que man. Pascal, Djongwe, pardon.
Dis-moi, Joséphine Djongwe, la PDG des plantains. Elle a arrêté de vaquer. On va faire comment? Même nous, on n'avait pas de problème avant. Mais comme ils aiment ça. Parle, mon fils. Parle tout. Bon, ça dit qu'elle a, elle a fini avec ta mère. Elle veut seulement que tu sortes comme le camion, quand il monte sur elle. Faut sortir. Nous, on va pas attendre 7 mois. À un moment, quand quelqu'un vous monte, il ne vous considère pas. Ne considérez pas. Fallon Sopi, je te salue. Bipin Djongwe, Joséphine. D'accord. Bon, ça a dit qu'elle a fini avec ta mère depuis le pays. C'est une amitié piteuse. Quand on va dire que c'est le partenariat, on a acheté un immeuble ensemble, ou bien on a fait tout ça ensemble, on n'a rien en commun. Vous me l'avez trouvé. Pas A plus B. Même dans les simples petits trucs que les gens venaient me voir, ou les petits contrats que moi-même personnellement, je ne devais pas accepter. Vous êtes passé derrière moi, vous m'avez mis les bâtons dans les loups. Le jour où les vrais sorciers, je ne sais pas pour quelle raison certains sorciers vous soutiennent. Il y a d'autres personnes qui viennent derrière Flore pour prendre leurs problèmes et leur haine pour mettre derrière. Mais à un certain moment, on n'est pas stupide, on n'est pas con. La Lionne, bonjour. La Lionne, tu veux passer dans mon direct. Voilà ma copine aussi, la Lionne. Épouse à Sindicolo, c'est moi qui fais la liette. Hey, papa, la liette, moi je suis au mariage, c'est moi le pagne. Moi je suis le pagne, mon fils. Toujours passer derrière, mettre les bâtons dans les roues, en public, jouer un autre rôle. Ma fille Coco commente aussi, non, on y va. Tu ne peux pas prononcer le nom de Coco, c'est comment? Tu avais dit que Coco et moi, on ne va pas te parler, Niva. Tu as dit que toi, là, la mère, là, pour le sang jusqu'à la tête finie, toi, Coco, et tout jusqu'à la tête, va chercher un ingrat. Ma fille Coco en train de commenter. Comment? Réponds aussi à ma fille, non? Tu salues, c'est pas la Lionne. C'est comment tu sautes les noms, Niva? Tes yeux ne voient pas bien. La fessi. La fessi, oh! La fessi. Tout ça pour avoir jusqu'à... Envoyer les cœurs. Envoyer les cœurs, envoyer les états, sécuriser les directs, les démons sont en liberté de les laisser pas gagner. Mes états d'amour, les démons sont en liberté de les laisser pas gagner. Sécuriser les directs. Niva, tu ne veux pas prononcer le nom de mon bébé Coco Kwetu. Coco Kwetu, c'est une bonne personne, un bon cœur, c'est mon bébé. Niva, tu prononces le nom de ma fille. Oh là là, elle écrit depuis dans les commentaires. Chili, tu ne prononces pas son nom. Quand la Lionne arrive, tu dis que mon ami la Lionne. C'est comment Niva Kin. Prononce aussi ma fille Coco Kwetu. Oui, Seigneur. Les enfants, si vous voulez vous montrer quoi, non. Ouais, j'étais bloqué, Niva Kin. Pourquoi je te débloque après? Il a commencé Coco dans son direct jusqu'à dire qu'il s'abonne direct sur la page de Coco et il a fait sur le champ. Aïe! Je ne suis pas arrivée là-bas. Je n'étais pas dans le direct. J'ai bloqué Nivakine en fait. Moi, je l'ai bloqué. Il s'est abonné sur Coco au final. Moi, je n'aime pas ça. Vous ne pouvez pas couper. Mais je demande à Cindy Fort, tu ne peux pas couper les directs, tu m'envoies. C'est comment m'avez-vous? Mais c'est comment m'avez-vous? Donc, Nivakine est abonné chez ma fille Coco. Coco ne va pas encore appeler. Coco. Si tu es là, quand elle finit le direct, tu m'appelles. Donc, comme ça, là, Ngoï, le coup de Ngoï. Vous savez, la fin d'une chose est toujours plus bonne que son début. Comme Ngoï ne fait que signer sur Lolo, là, Ngoï veut nous embrouiller, là. C'est là où Ngoï va tomber, alors, le jacquin. Parce qu'elle est là sur le dos. Quand le café est sur le dos, ses pieds font comme ça. Il veut seulement qu'un bâton, une tige, un fil s'accroche que sur ses pattes grippées, là, pour qu'il se retourne. Qui va avoir le bâton, Ngoï? C'est Nivakine qui avait le bâton, là. Là, qui va donner? Djongwe, viens. Ne te fatigue pas. Je t'ai dit ça, Djongwe. Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues, ma chérie. Djongwe, ne te fatigue pas. Djongwe, viens. Oh, viens, ma fille. Oh, viens, Djongwe. Oh, viens, non. Viens pour prendre Nivakine et le calme. Faites la réunion. Faites 600 réunions. Nivakine est monté quand même. Mbomae. Il y a des gens que je n'ai pas envie de citer leur nom par respect. Il y a des gens que si je cite leur nom, ils vont comprendre. Le Saint-Esprit va comprendre les cris de mon cœur. Si je cite leur nom, je le vois dans les directs ici. Si je commence à parler là maintenant, c'est pas bon. D'accord? J'ai eu à dire.
Il m'a fallu dire merci pour des choses que je n'ai jamais reçues. Vous parlez de quoi? Toi, quelqu'un me tarde encore dans vos choses. Aïe, les mouches, mais y'a un peu. Mais y'a un peu, 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 mais y'a un peu. Maman, l'enfant a dit qu'il y a les gens qui ne prononcent pas leur nom. Il a dû dire merci pour des cadeaux qu'il n'a jamais reçus. On l'a tourné en boulamine. Ngo, il voulait manger sur tous les plats. Ngo, il voulait manger. Ngo, il voulait éneindre. Dites-moi si je devais déjà être morte. Si vous me croyez, croyez-moi. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Je vous dis que morte. Mais elle avait oublié de demander à Dieu. Vous allez me sortir. José! C'est quoi? Je vous ai laissé Facebook. Depuis que je suis pas sur Facebook, là, je suis mort. Okay. Ma taille a diminué. Je Rwanda. Hein? José, même, la PDG des plantains. Maman, il n'a plus du poids, il n'a plus 2 grammes. Mon fils a 100 kilos. Ma situation matrimoniale changée. Maman, allô, madame. Allô, madame. L'Ivakine a 70 kilos. L'Ivakine a 70 kilos, je déclare. Il a pris du poids. Ses joues dépassent même derrière pour mon petit. Je ne vis pas des étoiles Facebook. Il ne vit pas de ça. Il ne vit pas de la monétisation. Oui. Et quand j'aime les gens, Niva, tu es mon fils. Voilà. On est sur le mur de Coco. Coco a encore mis quoi même? Oh là là. Il dit qu'il ne prend personne. Il dit qu'il ne prend personne. Attends. Ma fille, attends, partage. Ouais. Attends, j'avais pas vu ça. Attendez, je partage ça. On est allé des chompeuses de crâne de nez. Attendez, publié. C'est comment? Voilà, c'est publié. Ouais, j'ai dit qu'elle a 800 euros et elle a pris 400. Oui, maman Anna. Boum, Kena. J'ai dit que Facebook est trop bon. De tout sinon, je ne sais pas. Qui a encore récupéré mon bébé Niva? Est-ce que, comment ça s'appelle lui? Je sais que Sylvie Teignier. Sylvie Teignier, oui, Sylvie Teignier, parce que ça s'est coupé. Oh. En tout cas, à la fin, il est parti s'abonner sur le mur de ma fille. Oh, c'est ça même. Tango, il va voir, ça ne va pas dormir. Oh, c'est ça, Goyo. Oh, noa, chum, Goyo. Oh, Goyo. Alors, s'il plaît, s'il plaît. On m'a dit que lave ton malade. Elle ne va pas laver. Ok. Ok. Ouais, c'est encore quoi? Moi, je cherche mon bébé Niva. Mrenja à Niva. Il y a beaucoup de choses sur là-bas. Hein. Mrenja à Niva. Niva, mon bébé, regardez les bouffes. Les choses bien présentées. Bravo! C'est une lomania qui a fait cette table-là. Pas les crottes de nez qu'on nous montre. On ne peut même pas manger là. Ça, c'est qui? Il ressemble à l'autre là. Aïcha Sol. Ok. Il y a encore quoi avec Aïcha Sol? Maman Facebook, si on s'amuse, on va dormir ici. Le frigo de la gloire glorieuse, maman Natacha de Monaco. La beauté, la rentière. Maman, une fille qui assume ce qu'elle fait dans la qualité. Suivez les bons exemples. Voici mon fils, Niva. Je pourrais m'entourer de quelqu'un, des gens qui peuvent me faire des reproches, que je peux faire les reproches aussi.
Les gens qui ne me font pas les reproches, mais derrière, pas de se plaindre de moi, le projet, c'est toi. Maman, Mayami qui? Tu marches avec ta copine, ta soeur, ton frère. Vous êtes bien, quand vous êtes trop de Dieu, vous êtes bien. Dieu, tu vas couper au téléphone. Ah, maman, il va dire, ma mère, tu te rappelles de la sortie, que matin, c'est si moi, je n'avais pas. Mais est-ce que je mange les gens, il m'a dit, tu bon gars. Tu m'as insulté, fatigué, est-ce que j'ai diminué? Mes joues sont là, mon menton est là. Tu ne manges personne, mon fils. Il a mis à les joues. Elle est jolie. Niva, qui est jolie? Niva, qui a 70 kilos? Envoyez les cœurs pour Niva. À un certain moment, même la reine des Kéris, Pascal Guéron Kamna, Kamni, bonjour. Voilà le seul gars de la team Pédéli. Il est beau, je voudrais graver nos gars qui à Paris. Ah, mon fils! Mon fils, ton nom est sorti. Bonjour, ma mère, Sylvie Sainte. La Zurichoise, la plus distinguée, les femmes de Zurich, je vous envoie plein d'amour, plein de cœur. Tata Verdi, la Lyonne, on l'appelle comment, ma grande sœur de tous les cœurs. Florine, il y a qui? Et mon frère Bengo, vous sommes nombreux, les gens. Vous savez, à Zurich, hein? Je vais vous expliquer. Si tu n'as pas encore les amis Zurichois, si tu n'es pas encore parti en Suisse, si tu n'es pas en Europe, ma sœur, tu te débrouilles. Ce n'est pas en Europe, c'est en Europe. Donc, Mungela n'est pas encore arrivé. Généralement, en Suisse, tu vis la diaspora positive. La majorité des mamans que tu vois là, elles sont là pour leurs affaires. Quand elles vont te voir, salut, salut mon fils, oh tu es venu, l'amour même ça te fait, hé, on a tout un peu maman, ça fait. Ne pleure pas mon bébé. Mais bordel. Il va qu'il a 70 kilos. Mais c'est pas moi. Hein? Les billets à quoi vous les affamés comme machina. Ils sont assurés derrière les réseaux sociaux. Si les femmes qui ont connu, ils ont de compris tout. Valérie Giscard d'Estaing. Aïe, Valérie Giscard. Bonjour dans le cœur. Qui est mon général maintenant? Parce qu'à la lutte, les gens qui peuvent nous prendre là. Yes! Yes! Je ne savais pas que tu es général. Elle est là, non? Cindy, Lolo est où? Bip-moi le général de Niva. Lolo la puissance. Hé, hey, mon fils t'a nommé général. Maman, c'est la Amina, c'est la sonnerie de Planète Romeo. Toi, j'étais gars, tu t'es désactivé tes sonneries là. Je ne sais pas pourquoi la discussion. Nivakin, on m'a inscrit dans Planète Romeo. Dis-moi, c'est situé où je ne parle plus. Nivakin, Goye m'a inscrit dans Planète Romeo. Nivakin, Goye a pris la photo de mon mari. Nivakin, elle a mis dans Planète Romeo. Elle a mis mon numéro de cellulaire. Planète Romeo m'écrit tout le temps, me demande si j'ai un gros, je ne sais pas comment. Nivakin, je fais comment? Non. Lolo, la puissance, c'est toi le général. Je pose ma plainte. Elle est arrêtée. Parce que les bordels, on dit là que c'est pour moi. Ils ne le connaissent pas. Tu vois les sorciers, elles vont enregistrer que c'est pour mon compte. Donc, quand tu peux mettre une autre sonnerie, même la grenouille, même la. On nous dit, si tu es beaux ailleurs, tu viens d'arriver. Et quand tu sais que tu vas accepter que je te commande, quand je te commande, ce n'est pas que je vais te crier dessus. Moi, dans mon entourage, il faut des ennemis, il y a des choses que je ne fais pas. Alors, je lance un coup d'appel au nouveau Cosaïeur. J'ai décidé qu'on m'a trop menacé en Europe. Quand je vais arriver, je n'avais pas les papiers. Si tu es Cosaïeur, écoute, tu es discret. Tu es un gars calme. Et on va dormir souvent, viens de la maison. Viens. Donc, tu diras les distances. Oui. Parce que vous, là, les petits gars, vous, on va vous parler, tu vas dire, oh, tu me commandes pourquoi? Hein? Tu me commandes pourquoi? Nous, ici, là, on nous levait pour nous envoyer parce que c'était sur les temps. On partait. Donc, tu vas dire, la personne va seulement en route en marchant. Tu vas alors dire en face, là, tu vas dormir dehors. Moi, je suis même parti. Bon, en toute sincérité, je vais vous dire quelque chose. Je vais parler aussi à mes deux. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui ont beau temps. Dis-nous, mon fils. Il va qu'il a 70 kilos. Donne-nous la puissance. Ton patron a 70 kilos. De ceux qui ne sont pas de ma communauté, là. Ceux qui ont beau temps. Les gens qui nous disent ici, tous les filles vont vous conseiller. Je parle à mes frères de la communauté LGBT. Est-ce que les clashs de Nivakin me font encore quoi? Nivakin, je ne réponds même pas même 10 ans. Parce qu'elles ne sont personne. Moi-même, j'ai vécu ça. Les
gens qui m'ont vendu le rêve. Je suis venu trouver ici là que c'est moi qui, si je ne fais pas la farine, pourquoi on mange les beignets, ne peut pas manger. Si je ne fais pas le lait, pourquoi on boit. Si je ne peux pas chercher l'argent, pourquoi on mange. C'est quand même dit ici là, c'est Internet, qu'elles m'ont hébergé, pourtant mon enfant partait dedans. Mais anyway, c'est du passé, tout ce que j'ai fait est bon, d'accord. Tu es maintenant marié. Dites à ce que vous allez partir, rester dans les sens, suivre vos procédures. Les gens là vont vous rouler dans la petite Paris. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a un manteau. C'est parce qu'il y a un manteau. J'ai expliqué ça à un grand frère que je pense que tu es malade. Tu as donné un test à cet homme-là pour toi, maman. Ça veut dire que si le père ne bougeait pas mon zizi, je ne vais pas te faire l'alliance. Ma soeur, envoie-moi les 250 là qu'elle est avant moi. C'est toi qui me dois. Elle a tiré pour le grand là, qui va m'acheter 65 pouces. Il m'envoie ça. J'attends, je n'ai pas changé d'adresse. Si le grand là est pour le direct, je suis disponible. Maintenant, je sors avec mon mari. Tu dis, tu m'as pas, non. Il m'a qui? Il m'a qui de fou? Très belle. Rien à faire, vraiment, je ne discute pas avec vous. Hein. Vous êtes là, vous parlez, vos petits commentaires, vous dites que vous êtes. Je voulais aussi vous parler de la catégorie de belles filles là, qui dorment tous sur les canapés de leurs parents pour payer. Une fille, tu dis que tu es belle, tu n'as même pas le projet d'aller même en Guinée équatoriale, mais tu dis que tu es belle sur vous. Diana, vous dites que tu as plus de 2 millions, tu es belle, tu es plus, tu as un petit voyage ici en Europe comme tous les belles. Ça! Hein? Ici, un peu sur les autres gens. Vous avez votre beauté, un petit peu les peines, il y en a dans. Kevin O'Bien, là, vous a bien fait. J'ai aimé. Il vous a raté. Il faut souvent parler le bon français. Le français, on vous apprend. Il m'a dit oh, c'est ça, dit qu'elle a fait fort. Il speak Dutch, il speak English, il speak French. La chose à nous, on a plus été parlé avec moi, ça prend été parlé. Le français qui vous parle, la terre, après ça, c'est vous qui. Et quand les gens m'insultent, je copie aussi pour dire que les pierres que les gens vous lancent, vous pouvez vous construire avec. Revenons sur Stéphane. Stéphane, tu es le bordel. Oui. Tout est qui au bachelor. Parce que moi, je suis la fille pour venir être bordel. Les gens, les gens, les filles qui restent à la maison avec les délices là. Elles attendent donc que le pierre, elles attendent, elles sont même pas la fille. Et opposez-vous. La dame ne fuit pas. Tu es belle, Eva, tu es jolie. Tu es jolie, Eva. Il ne va pas communiquer la veste là ici en bas. Niva, tu walk. Tu walk, Niva. Niva, tu walk. Bon, on a écouté Niva, non. Vous dites que Natacha a fait fort. Ne te va pas. Moi, je te préférerais même. Je te préférerais lorsque c'était. Parce que pourquoi tu as parlé dans ton direct que ça me prend du blanc. Mais là, ce fort-là, c'est même plus ça. Les blancs ne prennent plus le genre de fort. Sincèrement, je te promets. Quand tu as décidé d'aller en retraite, mais tu vas en retraite à la mairie, ma chérie. Aujourd'hui, tu peux. Tu peux envoyer les enfants pour les visiter. Mais en attendant, je suis assise. Merci, ma fille. Je parle assise. Ce n'est pas le gros moyen. Ce n'est pas le moyen d'un autre. Ici, là, je suis chez mon mari. Si je vais aller chez moi, je m'en vais au milieu d'avion à Cali. Et je suis chez moi. Tu vois la différence entre toi et moi?
ma chérie. Et du coup, de moi, tu finis ta vie comme ça. Hein? Tu finis ta vie comme ça. Tu sais que ton médicament, ton véritable médicament, c'est la dernière fois. Parce qu'elle, elle te met capot. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ton médicament. Mais nous allons comment écouter lorsque la dernière ne va pas. Vous n'allez jamais m'empêcher de liker une vidéo. Oui, maman, tu likes, tu partages. Tu m'es venu chez moi hier, tu as commenté ma fille, j'ai vu. Donc, comme pour nous, je la like. Tu as besoin de ce que tu as demandé. Je la like. Vous avez compris? Donc, franchement, tu me le réponds. Tu te refais ton compte. Et je vais te répéter. Dis-moi, c'est le sort de la vie. Hein? Ta mère. Je passe autant en train de me faire un peu de temps. Mais je ne sais pas si on dit souvent que les filles passent en courant. C'est facile que je le garde. Hein? C'est très jalouse de la petite la lionne. Vous voyez, hein? À ce qu'il dit vrai, la lionne est très belle. Ouais. Hé! Hey! Valérie, oh, ma star, c'est chaud! Anabazan! Anabazan! Non, c'est la vérité, Natacha, il est allé en prison, elle a trompé. Elle a trompé, oui. Elle est restée, dit que Aka, je le remplace. Ngoyi a branché. Oui, Ngoyi a branché. Oui, Natacha, Ngoyi a branché. Elle n'a pas volé. Comparé à toi, tu voles les maris. Elle n'a pas volé le mari. Oh, c'est trop bon. Et lorsque tu es même de voler le mari de quelqu'un, vole un vrai homme, quoi. Anabaza, 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 Anabaza. Elle me coupe, je danse, elle me coupe, elle me met là-bas. Renne, master. Renne, Angoni. C'est comment, maman? Ma belle petite belle soeur. J'ai dit que ça va très bien, ma chérie. Je suis vraiment, je suis fâchée. Et que tu n'as pas souhaité joyeux anniversaire, ni toi, ni Lolo. Je vous ai fait quoi? Maman, est-ce que j'ai même vu? Maman, je suis en plein examen d'université. C'est chaud sur moi jusqu'au cou. Quand tu me vois que j'ai fait le japap comme ça, c'est que ça me... J'ai dit que c'est grave. Ah, si, ah, beaucoup. Bonne réussite. Je n'ai pas vu ça passer. Ça veut dire que quelqu'un n'a même pas mis que c'est passé. Tu sais que Facebook, si tu ne commentes pas ou tu ne vois pas un truc, ça passe comme ça. Hein, parce qu'il a changé la façon même que... Ni Lolo, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire. Happy birthday, Master. Happy birthday, Zoubert. Happy birthday, la maman des deux amours. Notre star de TikTok, la Camerounaise, c'est-à-dire qui a séduit le cœur des gens dans TikTok. C'est-à-dire que sa voix est une voix vraiment portante, écarlate. C'est-à-dire que une voix... N'est-ce pas dans la compréhension une voix villageoise. Une voix villageoise de la villageoiserie. Celle qui a fait découvrir le TikTok. Celle qui a fait découvrir le TikTok à tous les Camerounais. La patronne de TikTok, celle qui a mangé bien le salaire de TikTok. Qui continue toujours à manger le salaire? S'il te plaît, demande aux gens de toujours tic-tiquer. Il faut la tic-tiquer, s'il vous plaît, tic-tiquer Valérie, parce que le salaire de tic-tic là est très bien. Et demandez-la de venir s'abonner dans mon tic-tic parce qu'ils me font gagner même quelques centimes. Pardon, abonnez-vous. Je ne dois pas là. Le tic-tic de Valérie, elle est déjà avancée, donc continuez seulement à compléter. Je ne dois pas là en retraite sans avoir mon dû. Il faut lui envoyer l'argent. Abonnez-vous sur le TikTok de Master. Ton TikTok, ça s'appelle comment? C'est quoi l'actualité, ma reine? Ton TikTok, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Valérie Amougou, officiel. Ok, Valérie Amougou, officiel, c'est son TikTok. Moi aussi, j'ai un TikTok. Mon TikTok, c'est Reine Mère Bio. D'accord. Je viens m'abonner maintenant. Parce qu'il y avait des gens qui usurpaient. Mon TikTok, ils avaient des faux profils. Lui, Charles Kouah, a dénoncé
Merci à lui, Shalom Kwa. Allez vous abonner aussi chez lui, Shalom Kwa, qui fait un grand boulot pour sa belle-mère. C'est oh, mon c'est gentil. L'actualité, c'est que Nivakin est sorti sur Ngoyi et il dit que quand il était là-bas, il avait les cadeaux que les fans lui donnaient, beaucoup de choses, l'argent, les choses comme ça. Et Ngoyi détournait ça. Et maintenant, quand les fans le regardaient, on trouvait qu'il est ingrat, il reçoit les cadeaux, il ne répond pas. Et là, il est venu nous dire qu'il n'avait jamais rien reçu. Ah bon? Je te jure. Ma soeur Flore de Lille, comment tu peux te comporter comme ça? Quand on est à la tête d'une... Par exemple, moi, je veux prendre l'exemple de Ngos. Quand les gens cherchaient à voir Ngos et ils écrivaient Ngos en privé, Ngos ne répondait pas. Beaucoup de personnes m'ont envoyé les colis et les paquets pour que je remette en Ngos. Si Ngos est honnête, qu'elle vienne dire que je mens. J'ai envoyé les paquets de Ngos sans même ouvrir. On dit ouvert, ouvrir, sans même pénétrer. Ouvrir, maman. Sans ouvrir. Et Ngos n'a jamais dit merci. Il y avait même des enveloppes d'argent que je recevais pour Ngos. Tu sais, ma chérie, quand quelqu'un est ingrat, tu ne peux pas le changer. Dans l'ingratitude, c'est une quand quelqu'un est malhonnête, tu ne peux pas le changer. Dans nos familles, on a des personnes ingrates. Dans nos amis, parmi nos amis, on a des personnes ingrates. Que cela serve de leçon à beaucoup. C'est comme ça, cette vie. Ça doit nous servir de leçon. Il y a beaucoup de... Moi, les gens envoyaient les paquets. Ngos, Ngos PUT. J'appelais Ngos pour qu'elle décroche. Même je lui ai dit que tu crois que je suis plus ton amitié. Je ne suis plus pas ton amitié. Les gens t'ont envoyé des paquets chez moi. Je remballe les paquets tels qu'ils sont et je te les envoie. Elle a reçu même merci. Même le poil de ma chatte, même des manches quand ça pousse. J'ai dit que même merci. Elle n'a pas dit que merci. J'ai dit que même le petit poil que je rase tous les jours quand il pousse. Tu n'avais pas parlé tout jusqu'à ce que tu laisses ta chatte aussi se reposer un jour, maman. J'aime ma chatte jusqu'à... Non, donc c'est pour te dire que vous devez savoir que le monde est rempli de tout être humain. Il y a les méchants. Il y a les biens, là, il y a des personnes méchantes, il y a des personnes bien, il y a les ingrates, il y a des égoïstes, il y a des sorciers, il y a des démons. Le monde est rempli de tout. C'est à nous de faire attention aux gens qu'on côtoie. C'est à nous-mêmes de faire attention. Et la boabaise, excusez-moi du thème, la boabaise qui a des réseaux sociaux, c'est très dangereux, c'est très mauvais, c'est-à-dire que c'est très grave, il y a un désordre, il y a des clashs à deux balles, il y a des insultes, il y a l'escroquerie, il y a la manipulation, il y a qui est, Seigneur Jésus, à Rennes-Mère. Donc, tu dois savoir que tu es parmi des grandes femmes. Sur la liste de la grandissime, tu dois savoir que tu fais parmi. Je te le dis et j'assume mes mots. Amen. Tu dois... Donc, il y a des choses parfois, je te reproche. Tu ne devrais plus répondre à toutes les mouches tchétchées. Moi, tu me parles de l'université. Tu crois que moi, j'ai franchi troisième? Ma troisième, je l'ai fait derrière les maisons, dans le buisson. C'est là-bas que je faisais mes 1 plus 1 égale telle somme. Tu dis que tu es à l'université. Tu ne devrais plus te comporter comme nous, les illettrés, comme Aline Zomogo me dit. Tu devrais changer de tactile. Personne. Tu es quelqu'un que. On te connaît déjà dans le monde entier. Tout le monde, si moi, en tant qu'une illettrée, je suis populaire, combien de fois une intellectuelle comme toi qui s'exprime merveilleusement bien en français, qui a un foyer, qui a sa vie privée et personnelle,
Combien de fois, moi, le conseil que je peux t'apporter ce soir, c'est que ma soeur modifie tes vidéos sur des futilités. Ça ne te sert à. Ça ne, c'est vrai, tu mets ton gain et l'argent, mais ne donne pas l'importance à toutes les futilités qui te sautent aux Oui, yeux. tout à fait, ma Ce star. n'est pas méchant ce que je te dis parce que C'est pas tu méchant, mérites. c'est pas méchant. Parce que C'est pas méchant. tu mérites mieux. Oh, C'est une femme, Minga, tu es une vraie hein? femme. Oh, Merci, toi. maman. Voilà. Donc, s'il te plaît, fais-moi honneur et fais honneur à tes belles beaux enfants qui sont jolis comme la lune et tes fans. Merci. Ne t'attarde plus sur des conneries, de la conneriisation. Je te parle en toute sincérité. Hein. Regarde comme tu es belle, sans make-up. Mao. Il y en a qui sont sur des réseaux sociaux pour se mettre comme tu es là, que le monde entier regarde. Il faut qu'ils se make-up. Il faut qu'ils attachent le foulard. Mais toi, tu assumes que tu es une grosse tête, une grosse langue, des gros yeux. Tu les assumes tels que Dieu t'a créé. Tellement. Donc, voilà. Donc, je te parle en toute sincérité, je ne suis pas hypocrite, ni haineuse, ni méchante. D'accord? D'accord, ma star. Quand dit la talakou de ça, je ne fais pas la talakou. Pourquoi? C'est une reine-mère. Elle mérite le respect. Comme chez nous, les Camerounais, nous n'aimons pas Non, on respecter n'a les pas gens. de respect, On ma passe star. le temps à dénigrer ce qui est indénigrable. On passe le temps à salir ce qui est propre. Moi, je le dis, c'est une femme qui mérite le respect. C'est une femme qui a beaucoup. Vous voyez quand elle s'exprime en français, hein? Elle s'exprime merveilleuse. Est-ce qu'elle s'exprime comme les nous autres, 1 plus 1 égale 25? Ou je l'ai dit que j'ai l'ai dit fait que j'ai. Il m'a Hein? vu, je lui ai dit. On s'est vu au Carrefour. On est allé à Paris. On était à Auchan. C'est une grande femme. Il faut que si je peux lui apporter un petit conseil, comme une sœur, comme une compatriote, pourquoi pas? Pourquoi vous qui nous suivez, vous aimez comme quand on s'entretue, comme papa, celui qui s'appelle Papa Kongosa. Papa Kongosa, il ne met jamais mes vidéos là où je parle en bien. Il met toujours mes vidéos là où je parle en négatif. Ou celle qui s'appelle Chris Lis ou Chris Bis. C'est là où je classe les gens qu'elle répète. Après, on comprend que parmi vous, vous aimez quand on se clash. Ça vous anime, ça anime vos chattes, vos queues. Et vos... Oui, ça vous anime. Oui, reine-mère. Parce que regardez, hein, le jour que tu feras un direct, que tu mets les chansons religieuses, personne ne sera là pour dire que Amen, Alléluia, Amen. Ou ils seront là pour dire que, enfin, oh, tu te moques de Dieu. Mais ils aiment. Laissez mon français tranquille. Laissez-moi Quand je parle, je vous dis que je n'étais pas à l'école, donc laissez ma part. comprenez le peu que je me débrouille à parler. Avec son Laissez-moi. français, elle est patronne de TikTok avec le Laissez vrai salaire. mon Arrêtez. français. Arrêtez. Laissez-moi. Le Cameroun Elle est est patronne de bilingue. TikTok. Voilà. Si je Avec me son mets français. À parler en bêtis, vous n'allez rien comprendre. Gmaken ma quoi bêtis mi ou réseau mazo. Quoi, Betty? Gmaken a rien mais gmaken ma quoi bêtis be ou réseau mazo. Yo ma caro nous toi va mieux on va caminer le français de ça. Ibe nous amour réseau mazo gma quoi bêtis. Gmaken mi voir mi tellement sous dit be work. Gmaken ben hein famille man bombe ma un soir tel ibe work. Betty work. Je me débrouille à parler en français, dit le français de ça. Vous, c'est quoi votre problème en fait? Hein? Je Mais Happy moi, je venais de. birthday to you. Merci. Happy birthday to you. Happy birthday Happy to you, birthday, Valeria Mugu. Happy birthday to you. Moi-même, je veux chanter ma Happy birthday to you. Are you speaking Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Valeria Mugu. Happy birthday to you. Ma chère. Maman, j'ai eu mes 45 ans bien comptés. Donc, j'ai commencé à faire l'amour à 18 ans. Imaginez le nombre de plantains dans ma plantation. Ça peut remplir et tout dit. Maman, reviens, je t'aime. J'ai venu te faire un atalakou. Me again. You speak English? Yes, yeah, I speak English. Little bit. My English is like, you know. I just speak English. I speak Betty. I parlais grâce à la langue espagnole pour collège. J'étais à l'école, j'ai fait l'espagnol, mais j'ai tout oublié. Quand j'étais un, j'ai tout oublié, mais ma langue que je parle très bien, c'est la langue Betty. Et j'essaie de parler anglais quand je fais l'amour et ça me dépasse. J'ai dit, you baby, pick me good, put me, give me all, baby, put me all. On a des tic-tic-tic avec ta voix là. Baby, put me all, baby, touch me all. Donc, je parle aussi anglais. Donc, que les personnes qui parlent l'anglais ne pense pas qu'ils sont les seuls à parler l'anglais. Oh, you speak English. That's good. Speak very English. Yeah, d'accord. Bon, reine-mère, s'il te plaît, écoute mon conseil. Je ne sais pas en quelle année tu es née, mais je te conseille. Tu peux avoir l'âge de ma grande sœur. 1971, j'aurai 52 ans le 13 octobre dans 6 mois. Je t'en supplie. Il faut crier tes dossiers parce que tu n'es plus à ce niveau. Crie ce que quel dossier tu même si tu entends qu'on prononce ton nom, il faut crier les dossiers dont tu dois gérer parce que oui, ne te mélange plus. Il y a de l'énergie positive, I know. Tout à fait. Et derrière, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont remplis de démons et de sorcellerie dans leur cœur. Donc, il faut plus quand tu en arrêtes, mais tu es qui? Laisse même qu'il te dénigre, il te dénigre. Après, que la personne ait honte seule. Parce que tu es une grande femme. On ne peut pas le changer. On va beau te salir, on va beau t'intriguer. Moi, je veux te dire un truc. On m'a dit, je ne sais pas parler français. Je suis vilaine. Je suis handicapée. Je suis chauve. J'ai la langue qui pèse. Je suis sans domicile fixe, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de papier. Toute la liste est très longue. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Rien. Voilà, ça n'a rien changé. On va te critiquer, on va te saboter, on va t'insulter. Tu vas rester égal à toi-même. Si tu es béni, la bénédiction va seulement se multiplier. Voilà. Tu voulais prendre le lait? Demande à l'esprit, moi je ne sais pas, Livna. La bénédiction va seulement se multiplier. Amen, donc, amen. Chérie, je vois, il y a une là. Je ne sais pas qui s'appelle. Elle a des grosses lèvres, un peu comme Michel et son bas, mais sa part pend un peu plus bas. Je vois, je ne connais pas le nom. Je ne sais pas. Je l'ai vue. Elle a un peu parlé de toi. Quand j'ai vu Reine Mère Bio, j'ai quitté l'endroit là comme quand on quitte le Camp Nogo. Je suis allée, j'ai quitté. J'ai dit. Elle était comment? Une vieille madame, une jeune fille? Elle est dans les crans 5 ou avant crans 8. Avec elle est les lèvres. Elle est sale. C'est Boumkena. C'est Isaac Amditali. Elle ne sait pas encore se laver, je ne sais pas. Elle n'est pas propre. Elle a l'hygiène reprochable. Reprochable. Mais tu parles le français, l'hygiène reprochable. Oui. Mais ça, c'est du luxe. Elle a une hygiène reprochable. Mais ça, c'est du luxe. Elle a une hygiène reprochable. J'ai vu les. Reprochable. C'est correct. That's a good French. You speak good French. Elle a hygiène reprochable. Non, une hygiène reprochable. Une hygiène. Tu as dit ça bien. Reprochable.
reprochable. Voilà, elle a une hygiène reprochable. Oui, oui. Et vous savez, les femmes qui ont l'apparence de près d'une hygiène reprochable sentent la gueule, sentent la chatte et sentent de la sueur. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Voilà. Donc, c'est pas méchant. C'est comme les gars qui ont la barbe sale, les chaussures sales. Ce sont les gars aussi que quand tu arrives au fin fond du carrefour, il y a un désordre. Soit le slip est cloué, soit le... Ma chérie. Hey, à Valérie, non, j'ai beaucoup duré en direct, non. Oui, excuse-moi si je suis venue. Excuse-moi si je suis venue perturber ton nid. Non, tu as bien fait, ma soeur. Une hygiène reproche. Oui, alors, j'ai vu, je ne sais pas qui, j'ai regardé, je vois Reine Mère Bio, j'ai regardé, je vois un rouge à lèvres qui pend des deux lèvres. Je dis que c'est encore quel genre. Hey, elle a les cheveux qui ne sont pas bien peignés. Là, je me suis dit que qui est. J'ai même montré aux gens avec qui je suis dit que c'est qui. Non, mais écoute. Allez, tu vas me tuer. Ah, les larmes coulent. Quand vous voyez une femme qui a déjà une tête bizarre, avec un maquillage bizarre, ça veut dire que les hommes, je vous donne des conseils. Quand vous draguez les filles, regardez leurs apparences. Quand tu vois déjà une fille qui est une douxa, avec les seins bizarres, les habits bizarres, sachez que quand vous allez arriver au carrefour, même la cave, vous ne pouvez pas entrer. Il y aura beaucoup d'obstacles à la cave. L'hygiène reprochable. Ouais. Non, Valérie, tu n'es pas seule dans ta tête, au nom de Dieu. Ouais, ça si je suis seule, ma chérie, je suis seule. Je ne fuis pas le départ. Les larmes pour rouler dans la maison, parce que j'ai pleuré. Oh, Seigneur. Non, ma star, tu me tues. Donc, demande à tes fans de venir s'abonner sur ma page Valérie Amour. Sur le TikTok de ma star, s'il vous plaît. Et Valérie Amour officiel sur Facebook, dis donc. Allez-y, abonnez-vous. Je vous aime, merci de m'avoir. Laisse-moi parler à tes fans. S'il vous plaît, soutenez Reine Mère Bio. Conseillez Reine Mère Bio, ne restez pas dans la haine. Évoluons dans nos cœurs, dans nos familles, s'il vous plaît. Soyez humble, positif, ne soyez pas négatif et ayez une hygiène irréprochable. Merci. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Happy birthday encore. Ouais, j'ai merci beaucoup. Eh, Seigneur. Maman Facebook, si, avec toutes les occupations là. Oh, Seigneur, j'ai oublié l'anniversaire de ma star. Ouais, Valérie, non. Valérie, on dirait qu'elle parle, non. Ouais, Seigneur, elle ne vous gère pas. Ça sort comme ça sort. Attendez. Je vous dis que j'ai hâte de fatiguer. Ouais, j'ai hâte de fatiguer. Elle est une dimension, non. Valérie Amour, c'est ma star. Non, abonnez-vous chez Valérie Amour officiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Abonnez-vous chez Valérie Amougou officiel.
Abonnez-vous chez Valérie Amougou officielle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Abonnez-vous chez Valérie Amougou officielle, s'il vous plaît. Aïe, maintenant. Abonnez-vous chez Valérie Amougou officielle. Ok, il peut mourir de rire au nom de Dieu. Donc, c'est ça, on a fait le tour du propriétaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, abonnez-vous, il y a des questions. Il y a des gens qui mettaient aussi les commentaires là. Il y a un commentaire d'une soeur là qui disait, je sais pas, Valérie, je suis couchée par terre. Valérie, les gens ont dit fatigué, ma star. Pas le français de Niemton. Reine Mère Bio, il faut bien écouter les conseils de Valérie. C'est très important. Il faut quitter dans les histoires de bah, tu mérites mieux que ça. Ça, c'est sûr. Mais il faut savoir aussi que pour faire vivre mon blog, tout ça fait partie. Hein, parce que mine de rien, je dois répondre. Parce que grâce à mes réponses, il y a beaucoup de gens qui ont obtenu, n'est-ce pas, qui ont gagné confiance en eux pour faire aussi pareil et ne pas se laisser piétiner. Parce que vous savez, la destruction d'une personne dans les réseaux sociaux, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui se gobe facilement. Surtout quand on aspire aux grandes choses, quand on veut aller quelque part et que sur le chemin de l'endroit, on a décidé, n'est-ce pas, d'aider ou de se mouvoir autrement. Sur ce chemin, il y a les gens qui se mettent et racontent tout et n'importe quoi. Donc, vraiment, des fois, ça vaut la peine de s'arrêter et de répondre. C'est très important. Peut-être que ce n'est pas tous les jours. Peut-être que ça ne va pas être du genre matin, midi, soir. Mais il y a quand même certaines choses que c'est important de recadrer. Parce qu'en tant qu'humain, rester indifférent, ce n'est pas une bonne chose pour ma part, quoi. Moi, je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Moi, c'est comme ça. Donc, moi, il ne laisse pas. Vous voyez, non? C'est un peu ça. Ouais, Menjou, ouais, c'est une comédienne cette fois. Elle est trop marrante, Valérie. Valérie, c'est... Hey, je t'ai dit là, Valérie. Aïe, 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 elle est trop drôle. Quand elle parle, tu ris seulement. Quelqu'un qui est au sol. Pardon, lève-toi. J'espère que tu t'es levé du sol, hein, Mandunga. Valérie a gagné aujourd'hui. Ouais, hygiène reprochable. C'est du bon français, ça. Oui, oui. Ouais, Seigneur, mes larmes pleurent. Je t'ai dit que Valérie, elle a fini avec Mboumkena. Oui, elle est une dimension. Je vais m'abonner chez Valérie. Oui, Valérie Amgou officielle, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Reine Mère Bio, maman, comment faire pour garder... Est-ce qu'il y a des questions pour garder la face après autant d'attaques? Tu es un exemple dans cette capacité à tenir aussi longtemps. Mdunga, je vais te dire ce qui se passe pour garder la face. Les gens me demandent toujours ça. Mais moi, je dis, c'est ton entourage immédiat. Donc, moi, personnellement, pour mon cas, c'est ma famille. Ma famille, mes amis de cœur, mes occupations aussi, parce qu'il faut dire que je suis vraiment occupée. Regardez, vendredi, samedi, ils étaient en train de me lâcher de tous les bords, mais j'étais occupée à faire le contrat de mon ami du Niger pour son ramadan. Ils m'avaient passé la commande et ils ont dit que c'est même pas moi qui a fait. Vous savez, ils ont toujours des choses à dire, mais je les ai fait ici chez moi et je suis allée livrer sur une table chez lui. C'est chez lui que j'ai fait la présentation, en fait. Donc, vous voyez, des fois, je suis très, très occupée. Comme ce week-end, j'ai un anniversaire que je vais aller et j'ai donné le OK. Là, je suis en plein fin de session universitaire. J'ai des travaux à déposer à mon professeur et tout et tout. Donc, voilà. Et je suis occupée, mais sauf que, entre autres, dans mes occupations, j'ai ma famille, j'ai mes filles qui me comprennent, qui savent qui est leur maman, que je suis comme un modèle pour eux. Donc, je ne peux pas accepter, parce que ce qui est laissé, dites-vous toujours, ce qui est laissé comme tâche et comme saleté sur votre personne, tant aussi longtemps que vous n'interréagissez pas, ça reste comme ça. Mais quand vous interréagissez, ce qui se passe, c'est que même si ça va prendre du temps, vous voyez, ça prend beaucoup de temps avant que la vérité finisse par triompher. Ça prend beaucoup de temps avant que les gens finissent par comprendre que finalement, cette femme n'était pas vraiment folle ou n'était pas en train de... Voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais mieux, si Dieu vous prête longue vie, ça prend tout ce temps que de rester indifférente ou de rien dire et laisser partir cette histoire. Surtout quand vous savez que nos réseaux sur lesquels on est en train de vous attaquer, c'est un réseau où vous êtes aussi comme... Vous adhérez au réseau et vous aimez ce réseau-là. Moi, j'aime Facebook. Moi, j'aime venir vous voir, j'aime échanger avec vous, j'aime entertainer avec vous. Donc, du coup, je ne peux pas accepter cette saleté sur ma personne. Donc, je vais m'asseoir et répondre tant aussi longtemps que je pourrais répondre jusqu'à ce que, voilà. Donc, je pense que
C'est comme ça que je vois ça et c'est comme ça que j'agis dans ces choses-là. Et je conseille aussi aux autres de faire pareil que moi parce que si vous vous laissez faire, si vous vous taisez justement sans rien dire, c'est vrai, qui ne dit mot qu'on sent? Ça, c'est une autre option. Il y a aussi que, bon, vous vous taisez parce que vous êtes très, très occupé. Il n'y a pas moyen. Vous n'avez pas dans votre plage horaire le temps de vous asseoir et faire comme moi, j'ai fait le direct. Je suis juste rentrée ce soir, mon chéri au travail. Je dois faire le souper, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je lui fais juste une salade. Je lui fais une salade de choux. Donc, c'est facile à faire. Ma sauce vinaigrette est prête. Donc, je vais juste aller apprêter ma salade et tout. Choux, tomate, quelque chose de léger. Alors, je peux venir faire mon direct. Donc, ça dépend le temps que tu as. Ça ne va pas me prendre 30 minutes de lui faire cette salade de choux. C'est juste découper mes choux, mes carottes, et puis voilà, et râper mes carottes, essayer de mettre. Je ne sais pas si mes avocats sont mûrs, je vais les mettre dessus. Puis, je mets un peu des œufs bouillis, quelque chose. Et puis voilà, quand il rentre le soir, il mange léger. Voilà. Donc, j'ai juste ça à faire. Donc, quand je n'ai pas grand-chose à faire, je peux m'arrêter, je tue mes 2 heures de temps avec vous. C'est comme si j'ai fini de travailler maintenant, qui est 18h, presque 19h. Maintenant, je vais prendre ma douche et puis je vais étudier. Je vais dormir vers 22 ou 23 heures, ça dépend. Donc, c'est comme ça mes choses, vous voyez. Et ça me fait plaisir aussi, hein, c'est parce que Dieu m'utilise, je suis un instrument dans sa main pour amener la clarté dans la vie de beaucoup d'autres personnes et pour aussi amener aux personnes l'engouement et la diesse, l'engouement et l'ardiesse, l'envie de se battre, l'envie de foncer. Donc, moi, si je dois être à la brèche pour ça, pourquoi pas? Si je dois être un exemple, pourquoi pas? Donc, même mon agence matrimoniale, j'ai entendu dire qu'ils vont combattre. J'attends ça avec impatience. Il ne faut même pas qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils commencent dès maintenant. Parce que c'est une campagne à l'envers qu'ils vont faire. Parce qu'il n'y a rien. Je ne recule devant rien pour le faire. Mon chéri même sait ce que je suis en train de faire. Donc, je ne suis pas sur les réseaux comme une femme qui a atterri comme ça, n'importe quoi, machin. Non, non, non. Même mon agence, mon chéri connaît tout, 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 tout ce que je suis en train de monter avec mon équipe. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous, vous êtes mal entouré, vous êtes avec des hommes qui vous muselent, vous n'êtes pas capable de communiquer avec vos maris de ce que vous faites, c'est votre problème. Donc voilà. Merci pour le bon exemple, maman. Le respect, c'est mérité. Tu as le mien. Le vermine ne t'a jamais fait faillir. Que Dieu te bénisse. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas faillir. Parce que quand je regarde, vous voyez Livakine qui parle. Sincèrement, cet enfant m'a beaucoup insulté. Mais moi, je n'ai pas à cœur ces injures. Il y avait Guillaume, il y avait tellement de gens. Mais je ne peux pas les en vouloir. Ils sont venus en supportant. Il a bien dit que quand quelqu'un est dans l'élé ou l'élé, comme dit, il supporte Ngoyé. Donc, il supporte Ngoyé dans le cadre de sa congrégation. Donc, au nom de l'élé, il peut décider de m'insulter. Je peux comprendre. Mais sauf que comme je sais que je n'ai rien à me reprocher, c'est sur Ngoyé que je m'assois. C'est pour ça que tous ces gens qui sont venus venaient à son nom. Et c'est sur elle que je m'arrêtais. Parce que je savais que c'est elle qui demandait Kacham. Et eux, ils allaient pour défendre leur soi-disant reine. Avant de se rendre compte de tous les coups bas qu'elle leur a fait aussi à eux. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que. Et c'est autant de choses qui m'ont poussé à ne pas avoir de team parce que je ne voulais pas qu'un enfant vienne parce qu'il m'aime bien. Toi, tu me suis, tu m'aimes bien, tu te lèves, tu t'en vas clasher. Non. Mais par contre, si tu m'aimes bien, tu me connais à Montréal, tu te lèves, tu dis que je vais faire un direct pour parler de cette dame que vous insultez. Et tu viens, tu expliques ce qui est comme il faut. Là, je suis d'accord. Mais si tu te lèves tous les matins, tu te connectes. Oh, comme la PDG des plantings faisait, tu es tout bien comme Boum Kenabo. Moi, je vais dire non. Il n'y aura pas un enfant qui va se lever insulté à mon nom. Je ne veux pas. Parce que je peux répondre gentiment dans les règles de l'art sans me salir. Je prends 2 heures, 3 heures de temps et puis je fais ce que j'ai à faire. Et puis après, je continue à faire ce que j'ai à faire. C'est tout, ça ne chauffe pas. Donc, c'est ça, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. S'il y a encore une ou deux questions, je vais encore donner 5 minutes parce que j'aime bien être avec vous. Hein. Il faut que vous sachiez ça. Et bientôt, on va avoir des directs assez constructifs. Pas très longtemps, par exemple. Et j'aurai aussi des petites capsules que je vais mettre parce que, vous savez, le lancement de mon agence Meet and Love est en train de prendre son cours. Et puis voilà, je dois m'aller au pays et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, je veux vraiment vous parler de tout ça pour que, voilà. Donc, que vous sachiez, quoi. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous savez, hein, après ceux qui voient que j'ai coupé la vidéo, j'ai mis, je suis humaine, j'ai un cœur. Je pense dont je suis, je peux avoir mal. Donc, quand les gens viennent sur moi injustement, je peux répondre. Si ça déçoit et ça heurte les personnes, je suis vraiment désolée que ça vous fasse mal, mais je ne peux rien faire. Je réponds, je suis humaine, j'ai le droit. Puis, ça me fait plaisir aussi. C'est une manière de montrer, même à mes enfants, moi je leur dis, ne vous laissez pas faire. On est sur la terre avec nos enfants, mais à un moment, on ne sera plus là. Si elle reste sur la terre, il faut que. Elle puisse se battre. Hé, ma fille, comment tu vas, beauté? Comment tu vas,
mon bébé, Patricia. Ça va bien? Je vais très bien. Je me porte comme un charme. Comme un charme. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, là, donne gloire à Dieu pour ça. Et puis, je n'ai pas apprécié aussi ce qui s'est passé avec la maladie de la petite biscuit. Mais ça ne m'a pas plu. Camerounais font comme si on est né. On voit des sœurs qui se couchent et ne se lèvent pas. On voit tellement d'histoires. Mais vous êtes là. Ça dit qu'une fille est malade, c'est devenu comme si c'est Léa morte. Oui, oui. C'est comme si c'est Léa morte, Wanda. Franchement. Donc, moi, c'est ça. Moi, il y a des situations, j'ignore aussi. Vous allez voir qu'il y a Boum Kena. Je ne peux pas me mettre à l'enceinte direct pour répondre à Boum Kena. C'est de peine perdue. Donc, du coup, je ne réponds pas. Mais une comme celle des crottes de nez, là, quand j'ai le temps, je m'assois sur. Et j'ai fait mes montages de vidéos, là. Elle va trop m'énerver, je vais poster son message qu'elle m'avait écrit là. Donc c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Le téléphone, s'il veut que j'entre des codes de je ne sais pas trop bien quoi. Je vais voir ça après. La montre quoi. Vous voyez, non, une comme Boum Kena là. Je ne peux pas lui répondre, mais celle des crottes de nez, oui. Je vais un peu lui répondre quand même. Parce que, écoute, là, il ne faut pas exagérer là. Les faits sont là, les faits sont saillants. Tout le monde voit ce qui se passe. Puis vous venez faire comme si vous allez prendre ça et mettre dessus. Parce qu'il y a des gens qu'on considère comme le mouton noir. Je suis en direct. Vous voyez qui va dire à ma fille là? Oui, les crottes méritent son karma. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas la laisser là. Quand j'ai le temps, je mets les vidéos, je mets les petits trucs. Je coupe ça comme je veux, je mets. Il faut qu'elle bouffe un peu. C'est elle qui a voulu rendre ça gros. Peut-être que ça va lui permettre d'avoir les clients ou qu'on ait pitié. D'ailleurs, il y a des gens qui veulent avoir l'air de pitié. Peut-être qu'on va aussi faire un litchi pour elle, je ne sais pas. Qu'ils s'organisent là-bas comme ils veulent. Mais moi, je ne me sens pas responsable de son truc. Elle a mangé les crottes, elle a mangé les crottes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en fous là, royalement. Là. J'ai une qui m'a appelée, mais je ne peux pas. Oh, c'est dommage. Donc, c'est ça. Je vous aime bien. Oui, si je savais, vient toujours à la fin, bien sûr. Ouais, elle m'appelle, mais je ne peux pas prendre. Est-ce qu'elle va entrer dans le direct? Non. Parce que j'ai fait le direct sur mon téléphone. Je peux pas. C'est pas grave. Alors, je vous aime bien. C'était la maman. La maman. Je salue Natacha de Monaco. Une belle fille, hein. Assise, maman. Les gens cherchaient, ont pris le temps. Construit leur vie. Allez, pète. C'est mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi. Il faut que je tombe. Hein? Et maintenant, vendredi. Ouais. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc, c'est ça. Allô, ma chère. Comment tu vas? Comment tu vas, beauté? Je suis en direct. J'ai fini déjà. J'ai duré jusqu'à. Hey, maman, j'ai écouté Nivakin. Nivakin a fait fort. J'ai demandé à PDG Joséphine Jongwe de demander à Nivakin de se calmer. De calmer Nivakin. Mais si Nivakin soit commandé, a dit que Flore a pris des paquets. Elle lui a jamais donné. Les gens qui lui ont donné des colis et les argent l'en voulaient. Trouvaient qu'il était ingrat. Et lui ne savait même pas qu'il a reçu des choses. Vous voyez comment l'étiquette peut aller mal sur quelqu'un. Moi-même, peut-être même les gens. Lui ont donné des choses pour moi, elle a pris et les gens vont me trouver comme méchante tant que j'ai jamais rien reçu venant d'elle de qui que ce soit. Moi, quand on me donnait ces choses, je prenais, j'ajoutais mon argent pour lui envoyer. On me donne 1000 dollars, je mets mon argent. Donc, je mets même l'argent d'envoi pour qu'elle ait 1000 cash. Maintenant, où est ça? Inkinkok. Les gens sont partis. Les gens n'ont pas aimé l'injustice. L'injustice n'est pas bien. Il faut vraiment traiter les gens. Il y avait beaucoup de. Ouais, il ne faut pas faire. L'injustice n'est pas bien. Je vous dis. Dans la vie, là, il ne faut pas faire ça. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien de bon. Bon, moi, je vais partir. Je vous aime bien, non? Il n'y a plus de questions, non? Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous là-bas. Partagez la vidéo de la capsule sur beaucoup. Partagez, vous pouvez épingler sur vos pages la capsule pour l'agence matrimoniale qui aura lieu le 15 mai. Partager ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de photos parlantes pour communiquer sur le mur. Vous pouvez partager ça. Valérie a raison de dire que oui, il ne faut plus faire les directs, il ne faut plus ceci. Est-ce qu'on peut avoir un immeuble au pays et voler les cadeaux de Niva? Maman, c'est les questions qu'il faut se poser, Nadia. Je suis dépassée, ma chérie. Boni, maman. Moi, je suis dépassée. Niva dit qu'on a volé tous ses cadeaux, les enveloppes et tout. Eh, coco, coco et tout. Tu entends ça? Je suis dépassée. La pauvreté. Quand je parlais ici, combien d'années? Eh, tu connais ma chérie qui vient d'écrire là. Nadia, tu connais. Combien d'années?
Tout a commencé avec le litige que Reine Galloise a dit que tu as bien fait, on va te donner Ngoï s'assise sur ça. Après, ma maison brûle. Ils disent qu'ils vont faire Ngoï s'assoit sur ça. Elle n'aime pas que quelqu'un ait quelque chose. Oh, un mouvement, c'est quoi? Je vous dis que moi, ma deuxième journée que je l'ai invitée, la deuxième année, je ne parlais pas avec Souveraine de Brignac, une femme là qu'on appelle Souveraine de Brignac. Je ne lui parlais pas parce qu'elle est pour elle, Patricia. Je lui dis que, hey, comme ils ont les poèmes, la maman reste d'abord là-bas. Elle m'a appelé. J'avais encore son téléphone. Elle m'a appelé dans mon cellulaire. J'ai vu que c'est elle. J'ai pris parce que je sais qu'elle voulait parler à Ngoï. Vous êtes où? J'ai donné l'adresse. Elle a tourné au moins 2 heures avant de nous trouver. Elle a tourné, tourné. Elle avait la misère à se garer chez Diolo là-bas. Deuxième année. Et elle est venue. Elle lui a donné 1 000 $. J'aurais pu dire qu'elle pourrait, me dire que je vais lui donner. J'ai dit non, elle est là-bas, elle est à l'hôtel, elle n'est pas là. Attends, donne-moi la main, je gère. Et puis moi, elle prend les 1 000 même, je chope. Elle m'a arrêté avec quoi? Elle dit que tu m'as envoyé, je dis que j'ai déjà envoyé, je chope. Oui, j'aurais pu. Elle ne me parlait pas, elle doit arriver, bonjour, elle est entrée là et toi, elle est allée voir envoyer 1 000 $. Elle lui a donné. C'est moi, j'ai dit oui, viens. Elle, si elle trouve que quelqu'un veut te donner, elle va casser ça. Imagine, propre. Ça n'arrive pas à toi. Elle va plutôt prendre et faire comme si elle va te donner un job. Donc, les gens qui m'ont donné les choses à l'époque et qui m'en veulent dans l'ombre, passant par Magina, tout comme Nivakim, je vous dis merci. Mais je ne sais pas arriver à moi. je dis que rien n'est arrivé chez moi. Mais je vous dis déjà merci. Vous qui avez pensé pendant des années que je t'aimais, ça n'est même pas pensé à parler de ça. Parce que je ne savais même pas qu'elle peut arriver jusqu'à ce niveau. Mais comme Nivakim parle comme ça. Peut-être moi aussi, c'est parce qu'il y avait des gens qui m'aimaient vraiment. Pardon, toutes les actions que vous avez faites l'époque là, ça fait 4 ans déjà presque. Pardon. Il faut pardonner, je n'ai pas vu. Je n'étais pas au courant. Elle a gardé ça pour elle. Donc, elle est pensée peut-être aussi que moi aussi, je faisais pareil. Jamais de la vie. Je dis bien jamais de la vie. Ouais. C'est ça. Qu'elle aille arracher ses tétons. Arranger ses tétons, arranger avec quoi? Le courant ne passe pas, il n'y a plus d'influx nerveux. Le nerf qui dirige. Que quand tu touches comme ça, là, ça ne fait plus rien. C'est fini. Donc, ma crème des crèmes, ne vous dérangez pas. Quand je suis en direct, je ne clash pas. Ma star Valérie, je donne l'heure juste. Les gens comme moi, s'il y avait 3 sur mes tas, c'est qu'on a beaucoup de choses qu'on a pu. On a pu un genre de problème ici. Mais ce n'est pas grave, je continue seulement. C'est moi qui suis venu à la brèche. Je continue seulement. Ce n'est pas le clash, c'est l'heure. Je ne mens pas. Je n'ai rien inventé. Ne fais pas le game. Je ne suis pas dans le game. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Si les autres mentent, donc je ne sais pas. Mais moi, c'est la vérité. Tout ce qui est dit. Et je dis aussi vrai qu'un Dieu qui existe, il ne peut pas tolérer qu'on salisse son enfant comme ça. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on a tout ce qu'on a eu là. Alors, je vous aime. Passez un bon, bon lundi soir. L'agence matrimoniale Renmed Biomite Love en cours de téléchargement. On va le faire comme il faut, dans les règles de l'art. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Donc ne vous dérangez pas. Mon dos est large. Très, très large. Il faut le dire ça. Large. Il n'y a rien qui va mettre. Ça va m'énerver. Gossa est parti mettre la vidéo où je danse. Et regardez, hein, je vais vous dire un message là-dessus. Gossa est tellement bête. En mettant, elle s'est trompée. Elle a mis là où j'insulte Ngoï. Vous voyez. Ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'elle-même. Comment c'est que Ngoï a donné la fille là à. Attends, le truc s'y dérange. Oui. Comment c'est que Ngoï a donné. Comment c'est que Ngoï a donné elle comme personne. Chancelier. Voilà, c'est ça son compte. Comment c'est que Ngoï a donné. Comment est-ce que Ngoï a donné? Attends, voilà. Je danse. Elle se moque de moi. C'est moi-même, je suis partie danser. Elle dit, je m'appelle Borobo. Je vous donne des cours de danse. Venez m'admirer avec Anjimtep. Oui, j'ai l'Anjimtep. Je chante que putain n'a pas pleuré. Elle est contente des mots que je dis. Elle n'aime pas regarder où ce que je chantais.
Putain, a trahi sa nouvelle copine. C'est ce que j'ai dit. Hein. Aimez ça, hein, la partie où je dis putain, a trahi sa nouvelle copine. Je parle de gospel. Écoutez bien. Et quoi que ma tête là va faire quoi? Une grosse tête bien pleine. Il venait voir que je suis folle. Hein. Le jour là, on disait que je suis folle. A trahi sa nouvelle copine, le mauvais cœur. Je parlais d'un gosse pute. Je suis contente. Comme je disais, pas encore gosse pute le temps là. Je dansais et c'est tout sur ma page, j'ai pas moi enlevé. Putain. Le temps là, elle trahit mon spit de je ne sais pas quoi. C'est en 2021, la danse-ci. Mars 2021. Merci à Check Léon qui est descendu dans mon mur, trouver la danse entière, j'ai partagé. Aïe, 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 les pleurs. Oh, 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 oh. Hey, maman, est-ce qu'elle gêne quelqu'un le tout aussi? Hey, hey. Je danse seulement jusqu'à les chers personnes. Regardez un peu les commentaires de tes cachiers. Dans les commentaires, c'est ça qui est bien. Vous allez voir qu'il y a 200 combien de commentaires. Mais dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, hein, beaucoup de gens qui ont ri. Très belle femme, elle s'assume sans cheveux. Très belle, cette dame terriblement mariée, elle s'assume en vrai. Très belle, la femme belle et bio de sa génération. La reine mère bio, prends tes cœurs. Bon, ça ne sait pas lire. Tout ça est sur son mur là-bas, c'est arrêté là-bas. Dis-lui que quand elle met mes vidéos, c'est la publicité. Belle femme authentique, intelligente, naturelle. Elle assume le fait que la femme noire est très belle avec les coupes à ras. Nous n'avons pas besoin de cheveux d'autrui pour être ravissante. Vive la reine mère bio. Très belle femme bio. Femme intelligente et bien belle nature. Je vous jure, je lis les commentaires. Envoyez les étoiles pour les gens qui ont mis les commentaires. Vous voyez, non? Écoutez bien. Naturellement belle. Voici maintenant un t'es caché. Borosang, son nom et commence. Comme ça, Njimtet. Donc, on dit que son nom est comme ça, Njimtet. Donc, c'est une personne. Notre reine-mère connaît nous ramener les cancans trucs dans la team. Yemale. Elle, au moins, elle est naturelle et danse bien. Vous voyez, non? Et dites-moi, depuis que je lis, depuis que je lis, vous voyez, non? Dites-moi. Elle veut le juste énerver. T'as une belle tête. Maman, j'ai dit qu'elle. Attends, elle dit, belle et aussi naturelle, il faut se moquer de vous avec la peau blanchie. Belle femme pour son âge, franchement. Très belle. Ok, je n'ai pas vu les commentaires comme ça, hein. Pardon, envoyez beaucoup de cœur. Ouais, disons les commentaires chez Mossa. Très belle cette dame, c'est bien de s'assumer des cœurs pour elle. Même la présidente regarde comment elle check le body, hein. Attention. Très belle. Les camés ont un courage de feu. Très belle femme. Maman, elle a beaucoup changé. Elle est plus belle et fraîche comme avant. Tu as vu? On dit même que je ne suis même plus belle comme avant. Ouais, Seigneur. Elle a fait quoi comme ça? Et que c'est qu'elle danse ça? Aïe, mes côtes. Elle sait très bien danser. L'immaturité de ça. Ça fait deux mauvais commentaires sur combien? 30. Ouais. Compressons, on peut faire ça. J'aime le 237. Quelqu'un met les bras, belle femme. Mieux je passe. Je dis que
C'est 4 mauvais commentaires que nous avons punis et le reste, c'est les bons. Donc, c'est pour vous dire que il y a les bonnes personnes. Comme Gossa ne sait pas lire, elle va voir les commentaires comment. Ouais, je dis que c'est chaud. Voilà ça. Et vous savez que moi, j'ai bloqué beaucoup de gens. Regardez les cœurs. L'intimidé, Alpha Mandeng. Je m'appelle l'autre Boro Boro. Quelqu'un dit je m'appelle Boro Boro. Olivia. Ceux qui disent qu'elle est belle là, on parle de qui ici? Très belle femme, naturelle, épuise éloquente, ça donne comme ça, ça donne ça. La bio yoyette, du haut de son cinquantenaire, elle est naturellement debout. Tout comme elle ose et montrer vos têtes nues, on voit. Montrez aussi vos têtes avec le Congolibo, on voit. Ça va être Pongo, ça va être comme l'oiseau. C'est l'animal de quel zoo, ça c'est un tes cachets. Toi-même, ton poisson, tu ne vois pas comment elle danse bien d'elle. Le jour que la femme là va te framponner, tu vas venir crier sur la toile. Laisse et les camés n'aiment pas la paix. Why? C'est si même les hôpitaux de Tembe ont fermé leurs portes. Elle devenue bizarre, déjà belle, les mêla, c'est pire. Ouais, son mari est où? Est? Donc on pense que c'est récent. Hein? Mais il est parti, non? Voilà. Et Seigneur, les femmes, si vous vous fatiguez même franchement, la terriblement, l'autre dit que terriblement quoi là, mieux d'elle, vous-même, enlevez vos perruques, on voit aussi vos têtes. Les commentaires. Alors dis, tata bébé, la femme si je regarde pas cette vidéo après. Ouais, c'est quoi ça? C'est dromadaire. J'ai dit que ça, c'est les gens qui rient. Elle danse bien. Voilà. Les commentaires de ça. J'ai tellement ri. Je vous aime comme le chien, comme le porc aime la saleté à Foucault. J'ai tellement ri jusqu'à pouvoir être venu. Je te dis. Ouais, ok. Non, c'est tout, c'est tout. C'est tout chez Gosprit. Gosprit a partagé la nourriture. Passez vos commandes. Commentaire de ça, c'est comme ça. J'adore un peu. Celle qui mange la crotte des narines comme toi-même, tu as publié. Assia la rose. Carmen Tessera, je te dis, aide-moi à détester de ça. Donc, voilà. Montréal, Canada. Oh, ma PDG. Quand elle était venue. Le jour du résultat, les larmes vont. Bon, je vous aime bien. Bye bye. Bye.